coucher? Non, pas du tout. Vous avez tout faux, les amis. Parce qu'il faut vous relever, affronter les difficultés et avancer. Bonsoir à tous et bienvenue sur... Aller chercher juste pour vous, parce qu'on sait que pour vous, le ventre, c'est très important. Alors, on ne va pas hésiter à faire venir ici toute l'équipe avant de vous le présenter complètement. Voici donc Dominique, Queen, Renaud et MG. Vous avez faim ou quoi? Très, très fin. Très fin. Vous voyez tous ces décors. Ça va être une émission tout à fait particulière, Queen. I want to think that instead of the hunger, I'm still under pressure. Because you guys don't know what is going to happen here today. You have seen the decoration. You have seen the hall. It's different. And remember, we are going to give you today what you've never seen before. Stay connected. Ah ouais, ce que vous n'avez jamais vu en télévision, on l'aura ce soir. On aura de l'inédit ce soir. Quand le talent et le savoir-faire... Bon, avec l'art, ça donne juste quelque chose de wow. Donc aujourd'hui, là, asseyez-vous bien, prenez votre bic et votre papier pour tricher, noter. Parce que ce que vous allez garder aujourd'hui, là, non, mais j'ai d'abord... C'est pour la vie. Ouais. Ouais, c'est pour la vie. Ce soir, très chers téléspectateurs, nous sommes allés à la rencontre de la créativité, du professionnalisme. Notre invité ce soir est Camerounais d'origine. Il a un savoir-faire linguistique et culinaire au-delà de nos frontières. C'est simple. Restez connectés si vous voulez en savoir qui c'est. Surtout s'ils veulent manger. Surtout pour moi, j'ai très... Restez connectés, surtout ne bougez pas. Ah ouais, ne bougez pas parce que nous avons un invité. La tâche au quotidien est de faire savourer nos papilles gustatives. Son art culinaire indescriptible revêt tout simplement la saveur inoubliable de ses plats. Alors, de qui s'agit-il? Ou alors, de quoi sont faits ses doigts? Ok. Massa. De quoi sont faits ces doigts? Nous avons hâte de les découvrir, nous aussi. Alors, nous ici, nous sommes prêts, on l'espère pour vous aussi à la maison. Alors, c'est parti pour... Catapulte! Rejoignez la communauté Catapulte sur la page Facebook de Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Bienvenue au culte. Tu veux être notre nouveau gagnant de ce splendide t-shirt du Catapulte? C'est très simple. Il te suffit de répondre correctement à la question suivante. Quel est le véritable nom de notre invité de ce soir? Envoyé au 81 93 KTP1 pour chef Femile Ngounou, KTP2 pour chef Emile Ngoulou ou encore KTP3 pour Thierry Goulou. Bravo aux précédents gagnants. Merci et à très bientôt. C'est votre menu que vous attendez, vous avez raison, parce qu'avec tout ce qui est disposé là, moi j'en ai déjà l'eau à la bouche. On va découvrir le parcours de notre invité. C'est dans step by step et on fera notre petite escapade ou au cœur du piment, du ndondo, de comment on appelle ça en ta langue? Le piment? So? Le piment. Il ne sait même pas comment on l'appelle, Queen. Chita. Chita. Tolo. Tolo. D'accord. Tolo, chita, so, le piment. Tout ça, on va le découvrir tout à l'heure. C'est dans Escapade. Et on aura aussi, bien sûr, Pat Even qui va venir décortiquer le look de l'invité. Notre invité a testé un métier qu'il n'a pas l'habitude de faire. Garagiste, notre invité, on va le découvrir tout à l'heure. Mais avant, on lancera tout à l'heure la fameuse rubrique « On a testé ». Pour vous, ce sera en live et les présentateurs ici présents feront des mets pour vous. Attention. Donc, s'il vous plaît, non, ils sont bons. Hein. On va le découvrir tout à l'heure. Notre invité, il est magnifique. Il nous représente partout, mais n'est pas au-dessus de la... loi. Voilà, il passera à la... barre. Et il répondra aux questions qui lui seront posées ici. Voilà donc le menu, mais je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Mr. Vibes, est-ce qu'on peut savoir qui est l'invité ce soir?
Il a poussé ses premiers cris dans la région du centre Cameroun, plus précisément dans le département d'Union Infumu. Il est fan de l'équipe de football Foudre Sportive d'Akonolinga. Il est habile avec tous les ustensiles de cuisine. Avec lui, vous conviendrez avec nous que la passion et la détermination sont les mots-clés pour percer dans sa carrière. Et lui, avec de délicieux plats qu'il sait nous faire. Quel est son patronyme? À vous de le dévoiler. Je m'arrête là pour l'instant. Mr. Vibes, voilà monsieur, je vous prie d'accueillir ici le chef Émile Ngoulou. Chef. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Moi, très impressionné par cet accueil. Ben ouais. Je me sens catapulté, permettez le jeu. Alors, c'est notre invité. Il est en place. On va parcourir ensemble sa vie. Il partagera avec vous son expérience. Et vous savez très bien que le but, en réalité, c'est de susciter en vous des vocations, mais aussi d'apprendre, parce qu'il a beaucoup d'expérience, et tirer le meilleur de toute cette émission, les amis. On va découvrir son parcours. C'est step by step. Tout de suite. Et on se retrouve, les amis, sur le côté. Éternel recommencement, l'échec ne devrait donc être qu'une belle opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. S'arrêter, faire le point et repartir courageusement arme à l'épaule. Car tant et aussi longtemps que l'on sait recommencer, rien n'est totalement perdu pour qui persévère. Quelqu'un qui aime son métier, qui ne tolère pas les erreurs. C'est pour ça que je parlais un peu du côté dictateur, parce que ça s'applique partout. Quand ça ne se passe pas comme ça devrait se faire, il ne pardonne pas. Il aime son métier. Bon, on peut comprendre qu'il a fait un métier qu'il aime. Parce qu'il y a des gens qui font ce qu'ils n'aiment pas, qui travaillent parce qu'ils ont besoin de vivre. Mais lui, on voit bien qu'il est toujours dans ça, il est toujours en train de faire des recherches qui vont dans ce sens-là. Donc non, il est très passionné. Il aime beaucoup son métier. Avec un parcours qui pourrait être qualifié d'atypique, chef Émile Ngoulou, digne ambassadeur de la cuisine camerounaise, n'a jamais succombé aux vagues que lui a imposées la vie. C'est à l'Institut Maxime de Paris de 1985 à 1987. Ça prend 3 ans. Et après l'Institut Maxime, on peut dire 2 années de probation, parce que entre quand je pars de France et quand j'arrive, le vol c'est 6 heures de temps, mais c'était suffisant pour que le contrat qui m'était promis, pour lequel on me demandait de venir, se volatilise. Donc c'est 2 années de débrouille, comme disait un célèbre artiste, où je faisais essentiellement ce que je vois. Mon premier employeur au Cameroun, c'est Feu Madame Fonning, avec qui je monte le dossier du buffet de la gare, quand on ouvre la nouvelle gare de Douala. Mais malheureusement, quand j'ai fini de faire la procédure avant ouverture et que j'attendais que nous ouvrions, un jour, quelqu'un m'a pris. Nous sommes allés au buffet de la gare et j'ai vu que c'est déjà ouvert. Et donc je suis reparti à chercher un emploi. Je suis admis comme directeur de la restauration à l'hôtel Parfait Garden, qui malheureusement aujourd'hui est dans l'état qui n'honore pas beaucoup la ville de Douala. Et le Parfait Garden, ça dure 5 ans. 5 années à la suite desquelles je démissionne et je me mets à mon compte.
Les frustrations et difficultés, il les capitalisera. Des difficultés, effectivement, parce que les Hauts Fleuries, déjà, dès la première affaire, on se sépare parce que pas suffisamment respecté. Et ceux qui, très souvent, ont le pouvoir et peut-être l'argent, ne pensent pas souvent honorer leurs engagements. Maintenant, il y a aussi le manque de connaissance de la richesse du métier que j'exerce. Parce qu'il faut dire qu'on ne fait pas grand cas, si je peux dire, d'un restaurateur. Surtout, on ne fait pas grand cas d'un cuisinier que je suis devenu par la suite. Et je pense, j'ai l'impression que les choses sont en train de changer dans la vision, à l'allure où je vois les centres de formation se créer et beaucoup de jeunes se verser là-dedans. J'ai l'impression qu'on commence à percevoir ce métier un peu différemment. Et peut-être pourrais-je revendiquer quelques contributions pour que cela soit ainsi. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile d'être considéré presque systématiquement de haut. Ce n'est pas évident parce que quand on est même considéré comme traiteur, quand on va travailler dans certains locaux, c'est a priori des voleurs qui sont arrivés. C'est a priori des gens qui ne veulent pas servir, qui cachent des boissons. On redoute de déplorer telle ou telle perte. Donc jusque-là, c'était un manque de considération, peut-être légitime, parce que les gens ont dû constater des choses. Et c'est pour cela que, plutôt qu'une difficulté, je veux le vivre comme un challenge. Après de longues années faites de persévérance, de courage, les portes de l'international s'ouvrent à lui et il représente le Cameroun et sa richesse culinaire dans le monde. Dans l'espace de 5 jours, je me retrouve ambassadeur de la cuisine camerounaise parce que Madame le ministre de la Culture à l'époque, Madame Matutu Muna, veut bien compter sur moi pour présenter la cuisine camerounaise, s'il vous plaît, au siège des Nations Unies à New York. Au siège des Nations Unies à New York, nous avons été finalement 3 fois. Et toujours, même pendant le ministère des Arts et de la Culture, qui est devenu le ministère de la Culture, on s'est retrouvés à prester à Los Angeles, à présenter le Cameroun, à faire du fundraising pour le Musée National, Los Angeles, Las Vegas, Washington, Baltimore. Donc grâce à elle, je peux revendiquer aujourd'hui la modeste étoffe d'ambassadeur de la cuisine camerounaise. Et cette impulsion fait que tout récemment, en juillet 2015, je suis appelé à représenter le Cameroun à l'exposition universelle sur l'aspect culinaire, et cette fois amené par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Au quotidien, il partage son savoir-faire aux jeunes à travers le Cameroun et le monde. Il m'a appris le travail. Quand je suis arrivée ici, je ne connaissais rien faire. Donc, il m'a donné la vie. Le petit qui m'a donné la vie, il m'a donné la force. Quand tu as fait quelque chose, il te parle calmement. Donc les gens à côté ne peuvent même pas savoir qu'il est en train de te réprimander. Et tu joues soigné. Je suis dans le cadre de travail et tu joues soigné. C'est difficile de le constater que même s'il y a une erreur et qu'il le démontre là. Avec plusieurs brevets déposés à l'OAPI, chef Émile Ngoulou, dont le combat et la valorisation des mets traditionnels camerounais portent haut les couleurs culinaires du Cameroun. Fils de Ngoulou Vundi Simon Émile, douanier à la retraite, et de Feu Mendomo Jeanne, marié, père de 4 enfants, 7e d'une famille de 38 enfants, Émile Ngoulou a fait le tour d'une bonne partie du Cameroun pendant son cursus scolaire avant d'aller en France. Je suis donc parti en France où j'ai fait des études de tourisme parce que je m'étais orienté à travers le magazine L'étudiant. Je me suis retrouvé en tourisme au lieu de faire hôtellerie. Quand j'ai fait tourisme, ce qui n'était pas tout à fait ce que j'avais demandé à mon père d'aller faire, Il avait tellement souffert
que je ne veuille pas être dans l'administration, que je ne veuille pas être douanier comme lui, qu'il m'a toujours dit de faire ce que je lui ai dit que je vais faire en France. Donc j'ai dû refaire un cursus en gestion hôtelière. En fait, c'est à partir de 86 que je reviens au Cameroun, parce que j'avais une année à faire sur le terrain pour rédiger le mémoire final. Et donc, quand j'ai soutenu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en 88, j'ai eu véritablement mon premier poste au Cameroun. Son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai dû apprendre à travailler, j'ai dû apprendre à m'affirmer, j'ai dû apprendre à faire un peu comme du trafic d'influence d'ailleurs. Parce que je suis devenu le reporter officiel de l'Institut Maxime. Et ça, ça m'a permis de pouvoir terminer les études. Donc j'ai financé une bonne partie de mes études avec la photographie. Sa persévérance, sa générosité et son humilité forcent l'admiration. Je suis un enfant de l'adoption. De l'adoption parce que je suis pratiquement adopté par le frère de ma mère, le docteur Bilunga, qui ne compte pas quand il faut, quand il faut investir sur tous les enfants. Je suis un enfant de la maison. C'est quelque chose qui est rare aujourd'hui, de voir des gens se comporter comme ça. Léo Sondo, qui est à Paris, on est loin d'imaginer ce que ça représente, m'ont tout autant adopté pour que, d'ailleurs, le point d'honneur de mon oncle était de dire, bon, ok, tu vas donc habiter ici. Si tes parents t'envoient un peu d'argent de poche, fais-en ce que tu veux. Je ne veux jamais entendre que tu as prétendu à contribuer à la vie de la maison. Ça, ça m'a marqué pour avoir toujours le sentiment d'être redevable et de devoir rendre, moi aussi, ce que j'ai reçu tout aussi gratuitement. Des gens qui n'avaient aucune obligation de pouvoir le faire. C'est un homme au grand cœur. Au grand cœur parce qu'il est prêt à tout donner quand c'est nécessaire. Il ne s'attache pas aux valeurs matérielles des choses. Se remettre en cause de façon permanente reste son leitmotiv. Il continue d'apprendre malgré les années. Que c'est cette sorte de doute permanent et de pression à se mettre soi-même pour qu'on soit au mieux de ce que l'on doit faire qui est le moteur en réalité du professionnel dans notre contexte. Ne rêvons pas que les choses soient faciles pour nous. Décidons tout simplement d'être les meilleurs et la réussite nous sourira. Car elle réside moins au temps que nous mettons pour atteindre le sommet de la montagne, mais plutôt dans la façon de la gravir. Magnifique reportage que l'équipe de Marabou a réalisé. Septième d'une famille de 38 enfants, chef. Oui. Le public même a dit wow. Oh, ça montre tout simplement que l'Afrique se désafricanise. Oui. Une famille normale en Afrique, oui, ouais. je crains que nous ne soyons même pas dans les moyennes. Ouais. Mais votre papa, il avait combien de femmes? 38, c'est combien de femmes? Oh, il en avait que 7. Il en avait que 7. Ah, ben dis donc, ça c'est déjà. C'est vrai que 7, c'est très peu. Hein. Et la liste d'attente était fournie, rassurez-moi. Ben, ça fait quand même une équipe de basket avec 2 remplaçants. Ça fait une équipe de handball sans remplaçants. C'est déjà ça. Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais avec tout ce savoir-faire, on aimerait savoir. Vous avez grandi où? Dans la cuisine ou au salon? Ah. Je n'avais pas, aussi paradoxal que je sois, je n'avais jamais le droit d'être à la cuisine. Ah ouais? Je suis Ngoulou, c'est-à-dire le seul parmi les 38 qui porte le nom du fondateur de la famille. D'accord. Donc c'est en quelque sorte un enfant, quand on se veut prétentieux, entre guillemets sacré, ouais. qu'on n'appelle jamais par son nom. Mm-hmm. On m'appelait plutôt petit papa. Petit papa, parce oui. qu'on ne pouvait pas m'appeler par mon nom, de ouais. peur de faire offense. Au chef de famille, et je n'avais vraiment pas le droit d'être à la cuisine. D'ailleurs, papa avait un truc assez symptomatique, c'était que quand il me cherchait du regard, mm-hmm. il se mettait au pas de la maison et
changer mon prénom. Ah bon, comment ça? Il disait, si vous avez vu Marie Ngoulou, dites-lui que je veux le voir. Et comment savoir que... Parce que je suis à la cuisine, je suis donc devenue une femme. Parce que je suis une femme. Et parce que je suis une femme et le prénom Marie, je ne suis plus véritablement son nouveau nom. Ah, d'accord, génial. Mais you have to understand that that your father had different plans for you. How did he receive your growing up to be a cook? It's been so hard that it hey, would be chef, so. Vous êtes bilingue. Ah ouais. Bah, tout Camerounais devrait l'être. Quand on fait le métier que je fais, on devrait être multilingue. Oui, tout à fait. So you were saying that. Donc je disais que c'était tellement difficile que j'ai le sentiment d'être vraiment privilégié et de bénéficier d'un amour particulier de ce monsieur-là pour que j'ai pu faire les études que j'ai faites. Parce que ça n'était pas du tout facile. Papa, je veux faire gestion hôtelière. C'est quoi? Lui dit la gestion des hôtels. Ngoulou, papa. Parce qu'il me rappelle ça maintenant. Je lui dis toujours, quand c'est grave, tu m'appelles Ngoulou. Quand tu es content, c'est homonyme. Ngoulou, papa. Donc je savais que c'est quelque chose de grave. Grave. Tu vois mon nom traîner dans les bars? Ah. Papa, je n'ai pas dit que je vais être barman. Oui. Et pour le convaincre, je lui dis, mais papa, avant-hier, nous étions à l'hôtel La Tchadienne, parce que là, nous nous trouvons en Koussiéri. Oui. Et tu semblais respecter le directeur de l'hôtel. Mon fils, il n'y a qu'un directeur dans un hôtel. Papa, s'il n'y a qu'un directeur dans un hôtel, alors je serai directeur. Tais-toi. Ah. Et c'est avec beaucoup de plaisir que quand je suis rentré au Cameroun, j'ai commencé par un poste de directeur de la restauration. C'est avec beaucoup de plaisir qu'un jour, je lui ai dit, papa, je suis directeur. Et il était très content. Oui. Oui. Ah, la répartie donne froid dans le dos parce qu'il m'a dit exactement, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce métier avec lequel j'ai l'impression que tu vas nous sauver la mise à tous. Ah. Alors, je crois que moi, j'ai déjà eu mon paradis. Comment définiriez-vous la cuisine? Ah ben ça, c'est une belle colle. Hein. C'est là où on fait la cuisine. La cuisine peut être là où on fait la cuisine, mais la cuisine, en fait, c'est la vie. Ouais. La vie en tant que substantation, la vie en tant que philosophie, parce qu'on ne peut pas cuisiner sans philosopher. Ouais. La cuisine, c'est, en fait, la cuisine, c'est l'univers. Que serions-nous sans la cuisine? Si chef n'a pas grandi à la cuisine, oui. Où tenez-vous donc ce talent culinaire? Oui, chef. Je vais essayer d'en parler sans être ému. Je crois que je commence à cuisiner quand je me rends compte que ma mère n'est plus là. Ah. Et dans la recherche de la relation très furtive que Marie avait avec elle, oui. J'ai donc eu ces réminiscences-là qui sont remontées. Et il me semble que c'est une vocation tardive qui est apparue. Parce qu'en fait, je suis désolé de le dire, ça surprend certains, ce n'est pas la cuisine que j'ai apprise à l'école. J'ai appris à gérer, j'ai appris à diriger, j'ai appris à concevoir l'organisation de la vie, enfin de luxe. La cuisine n'est qu'une infime partie de ce que j'ai appris. Et dans tous les cas, je sors d'une école où il n'y avait ni couteau ni fourchette. Mais, on peut donc imaginer la qualité de la formation si derrière ça, on peut se retrouver cuisinier juste en adoptant la démarche. À quel âge votre maman est partie? Bah, vous avez quel âge? Nous sommes à la 16e année qu'elle est partie, donc vous faites 53 moins 16. Ok, donc en réalité, pour ceux qui... Non, Dominique, 53. Donc pourquoi ce n'est que Dominique que tu as pu... Pourquoi ce n'est que Dominique que tu as pu... Dans ma tête, là, elle n'arrive pas à réfléchir. Comme tu as dit qu'on n'a pas encore mangé. Voilà, messieurs, nous sommes avec le chef Émile Ngoulou, qui est un digne représentant de la culture culinaire du Cameroun et de l'Afrique. Tout à l'heure, on va lancer le CEP. C'est exceptionnel ce programme, on vous l'a dit. Vous ne l'avez jamais vécu. On va lancer le On a testé pour vous maintenant parce que notre équipe aura des choses à réaliser. Vous avez bien vu le décor qui est planté. Donc, chef, est-ce que vous utilisez forcément du piment? Voilà. Oui. Donc, nous, en général, on ne sait même pas d'où ça vient. On sait seulement que quand il faut mettre un petit peu de personnalité de Dominique dedans, on utilise le piment. Ça a plein de vertus.
plein de... C'est important pour la santé, c'est aussi dangereux. Oui, oui. D'accord. On va regarder le reportage tout à l'heure. Tous les abus, d'une façon générale, sont dangereux. On va regarder tout à l'heure ce qu'à part c'est du piment. Mais avant, chef, ce que je souhaiterais, c'est que vous donniez un thème. Oui. Mais je vais vous demander de réaliser une entrée. Une entrée. D'accord. Si vous voulez, on aurait dit encore un hors d'œuvre. Ne sortez pas, hein. On a dit une entrée. Donc, je pense bien que la fiche de marché que j'ai faite permet... Vous pouvez venir vérifier. La feuille de marché permet à chacun de pouvoir donc faire une entrée. Donc, il y a dans cette boîte, je pense bien, une macédoine. Oui. Vous allez donc vous servir de cette macédoine comme base de votre entrée, à partir des ingrédients que l'on vous a donnés, la tâche de fabriquer, si vous voulez, de fabriquer un personnage. Voilà. Soit un animal, soit un être humain. Il faut que, quand vous avez dressé, on retrouve soit une bête, soit un oiseau, soit un être humain, en fonction des ingrédients que l'on vous a donnés, c'est-à-dire des œufs. Oui. Je vais vous aider un peu. Les œufs qui sont posés là-bas. Il ne faut pas frire l'œuf. Il vaut mieux le cuire. Et il faut cuire des œufs durs. Je vous donne même le temps. Les œufs durs, c'est 9 minutes, 9 à 10 minutes. Mais si vous ne savez pas compter, vous risquez d'avoir des problèmes, effectivement. D'accord. Donc, chef, oui. Ils ont combien de temps pour réaliser 45 minutes, c'est largement suffisant pour faire ce mets que l'on peut aisément réaliser en 15 minutes. Très bien. Quand on a... Donc, la régie, 45 minutes. On fait le décompte. 1, 2, 3, go! Alors, pendant ce temps, les amis, on regarde cette escapade. C'est le piment, Ndondo. L'autre a dit Chita, l'autre a dit... Je sais que les chapeaux vont suffire sur les têtes des gens ici, là. Regardons ce reportage, on se retrouve. Épices les plus consommées au monde, notamment en Asie, Mexique, Afrique, Amérique et Caraïbes, cultivées et cuisinées pour ses cuisines aux qualités aromatiques, le piment vert, rouge ou jaune, aurait des vertus miraculeuses. Cameroun, dans la région du littoral, c'est au marché Sanaga, principal pôle de ravitaillement en vivres frais, que les vendeurs de piments ont leur quartier. Au Cameroun, surtout ici à Sanaga, hein? Il y a les Guinéens qui viennent ici, il y a des Gabonais qui viennent ici, il y a les gens du sud-ouest aussi, sud-ouest Cameroun qui viennent ici, il y a les gens de Kribi qui viennent ici, donc ce sont nos clients. Ils viennent ici chercher la marchandise, ils partent aussi revendre dans leur coin. Selon que l'on le veuille fort ou moins fort, l'origine, la saison et la couleur du piment seraient des éléments importants pour faire la distinction. Le piment bafang est bon parce que c'est un piment qu'on traite. Le piment bamou, c'est un piment brut. Ça pique. Dès qu'on le fait, ça pique, mais ça n'a pas de goût. Et ce beau piment, le piment baganté, c'est un très beau piment. L'observation artisanale de cette denrée extrêmement périssable n'est pas des plus faciles. Nous avons des paniers de conservatoire. Il y a même des sacs qui ont des trous pour permettre de l'air d'y pénétrer. Ouais. Le piment que vous voyez là, c'est bien sec, c'est pas mouillé, il n'a pas plu dessus. Donc ça peut même faire 3 jours. Ça reste toujours comme ça. Il faut compter entre 2000 et 20 000 francs CFA pour se procurer l'équivalent d'un seau de 15 litres et un sac de 50 kg. En détail, les prix varient entre 50 et 500 francs CFA sur nos marchés. À côté de la vente de piment, il y a des déchargeurs dont le rôle est tout aussi primordial dans la chaîne de distribution. Le piment que vous voyez là n'a pas de médicaments. Quand lui commence à chauffer, il finit seul. Comme du futé, si vous voulez peut-être entendre, c'est plus en saison de pluie. En saison sèche comme ceci, nous, on n'a pas de difficulté. Parce que le piment vient, c'est sec.
Mais en saison de pluie, on rencontre trop de difficultés parce qu'il pleut. Et quand il pleut, le piment suinte. C'est là où on trouve des difficultés. Composé de différents nutriments tels que la vitamine C, B6 et K, du fer, du manganèse et du cuivre, la consommation du piment à une dose précise provoquerait la dilatation des vaisseaux sanguins et diminuerait de ce fait le risque d'accident cardiovasculaire. Tout comme sa forte contenance en antioxydants pourrait faire réduire les risques de cancer et la capsaïcine, composant actif du piment qui participe à l'augmentation de la salive et des liquides gastriques, améliorerait la digestion. Toutefois, une consommation abusive pourrait conduire à des ulcères gastriques. Malgré les difficultés, le métier de vendeur de piment nourrit bien son homme. Mieux vaut chômer avec ses diplômes que de chômer parce qu'on n'a pas de diplôme. Allô? Le marché de piment m'a situé. Vous comprenez? Parce que je me suis déjà construit, j'ai ma femme, j'ai mes six enfants. J'ai déjà des grands enfants, vous comprenez? Et c'est le piment qui m'a aidé à faire tout ça. Je refuse pas le marché, mais j'ai seulement dit que présentement, le marché maintenant ne va plus comme ça allait auparavant. Le Cameroun étant l'un des principaux producteurs de piment en Afrique centrale, une meilleure organisation du secteur avec des appuis aux producteurs, revendeurs, le désenclavement des zones de production pourrait améliorer les conditions de conservation et favoriser l'exportation de cette épice tant convoitée en Afrique et dans le monde. Qu'on a regardé, chef, le piment, c'est si important que ça? Le piment, c'est très important pour certains, d'une part, oui. Parce que le piment permet à certains moments de stabiliser même son système digestif quand on a quelques insuffisances. D'accord. Donc, il y a des gens qui ne savent pas manger sans piment. Il y a des gens qui ne savent pas manger sans piment. Ça, c'est peut-être le côté un peu embêtant parce qu'il y a une sorte d'addiction, une sorte de dépendance au piment. Et là, ça devient dangereux. Oui, et cette addiction-là fait que, comme c'est un excipient, un peu comme l'alcool, on en prend toujours et on ne sait jamais quand s'arrêter. Yeah. Bon, maintenant, je voudrais quand même, si c'est possible, je voudrais pour que le public puisse manger ce qu'on lui prépare, oui. Je voudrais donner quelques conseils. Allez-y, chef. Allez-y, chef, je vous débarrasse. Non, mais déjà, pour la cuisson des œufs, j'ai l'impression que tout le monde a mal commencé là. Ah ouais? Les œufs, d'une façon générale, on chauffe d'abord de l'eau. D'accord. Avant de placer les œufs. Bon, et c'est quand l'eau... On chauffe d'abord de l'eau. Oui. Oui, chef. Et c'est quand l'eau est déjà bouillante. Oui. Qu'on y met donc les œufs et qu'on compte pour les œufs durs 9 minutes. 9 minutes. Ouais, d'accord. On peut 9 minutes. 9 minutes après 9 minutes après la reprise de l'ébullition. OK. C'est quand on met les œufs étant froids par rapport à l'eau qui est bouillante, il y a donc une sorte d'échange, l'eau ne bourra plus parce qu'elle a pris une partie de la fraîcheur des œufs. Il faut donc attendre la reprise de l'ébullition. Faut compter 9 minutes. Bon, maintenant que c'est fait, ça va compter dans la note de fin de toutes les façons. D'accord. Ce qui est fait est fait. Et maintenant que c'est fait, ça, en fait, on ne sait jamais, on verra les résultats. On ne sait pas, il y a quand même des miracles. Parce que un œuf pas assez cuit se reconnaît, un œuf trop cuit se reconnaît aussi. Ok, mais what brings you in the kitchen? Ok. Et en plus, je voudrais dire que chaque fois que l'on doit préparer les œufs, oui. Il faut veiller à les laver. Personne ne les a lavés. D'accord. En note seulement. En note. Mais chef, j'aimerais quand même revenir au piment parce que on dit souvent que les gens qui ont mal à l'estomac ne mangent pas le piment. Alors qu'au contraire, les études montrent que la capsaïcine. Vive Internet, oui. La substance qui donne au piment sa saveur piquante, là. Oui.
C'est plutôt comme un médicament contre la sécrétion de... Justement, c'est une longue injustice qui est faite au piment. Ah bon? Non. Le piment, c'est fâché pour ça? Le piment est plutôt de nature à calmer le mal d'estomac. Ouais. Plutôt qu'à le susciter, en réalité. Bon? Oui. Mais s'il est piquant et que ça arrive à l'estomac, normalement, scientifiquement, c'est démontré. OK. Enfin, ce n'est pas le piment qui crée l'ulcère d'estomac, non. C'est d'autres causes qui créent l'ulcère d'estomac par rapport à tout ce qu'on dit sur le piment. Et donc, mais il est important de savoir que, comme pour tout, l'abus est toujours embêtant. Bien sûr. Donc, d'une façon générale. Chef, est-ce qu'il existe véritablement une cuisine camerounaise? On pourrait dire ça. Pour qu'on parle de cuisine, il faut savoir de quoi on parle. Je prends un exemple simple. Le ndolé, par exemple. Comme nous sommes à Douala, oui. On dit du ndolé que c'est le mets camerounais par excellence, même si je ne suis pas tout à fait de cet avis-là. Qu'est-ce qu'on appelle ndolé? Parce qu'en cuisine, chaque appellation a des critères qui la déterminent. Oui. Quels sont les critères qui déterminent l'appellation ndolé? Est-ce que si on prend des feuilles de l'herbe ndolé et qu'on les saute, oui. Est-ce qu'on ne doit pas appeler ça ndolé puisque c'est des feuilles de ndolé que l'on a? Oui. Maintenant, est-ce que si on prend des feuilles de folon et qu'on les conduit comme on prépare le ndolé, est-ce qu'on a droit à l'appellation ndolé? Ah ouais. Donc, il est important que ce travail soit déjà fait. Ouais. Donc, un travail d'abord de recensement et en plus de codification. Okay. C'est ça qui va nous amener maintenant progressivement vers la marche qui amène à parler de cuisine camerounaise. Le Cameroun n'a pas encore fait ce travail. Ce n'est pas le travail d'un cuisinier. Ça doit être le travail d'une communauté intellectuelle. Ok, donc il faudrait mettre en place une communauté. D'abord énormément de cuisiniers. Oui. Je suis content qu'il y ait un qualiticien dans la salle. Il faut qu'on ait des qualiticiens. Oui. Il faut que l'on ait des nutritionnistes. Oui. Il faut un concert intellectuel pour que, un peu comme les autres, oui, on arrive à déterminer des standards. Nous devons passer par la standardisation de nos mets pour que nous ayons donc des appellations reconnaissables et surtout répétables. Ah oui. Parce que la nuit maintenant, c'est que quand une mère apprend à préparer un mets à sa fille, elle dit, bon, quand tu as mis au feu, elle n'est pas capable de dire comme je viens de dire des œufs. Ou c'est même en train de brûler, là-bas, on ne sait même pas. Hein, mais excuse-moi to interrupt you. Yeah. What inspires you in the kitchen? So that, like, you know, I'm confused right here. If you can answer that, I think I'll be able to have an inspiration. Comment il s'inspire? I think anyone has his matters, you know. Tu vas aller prendre son inspiration pour faire leur devoir là. Son inspiration peut être mon inspiration. C'est tout le mérite qu'ils ont, les anglophones, de savoir toujours se jeter à l'eau. Tandis que nous, nous sommes là à avoir des postures. Est-ce que je vais me tromper, ainsi de suite. Oui, bravo, Bruno. Queen. Donc, en fait, l'inspiration vient de tout et j'ai envie de dire de nulle part. Parfois, c'est une révolte qui fait concevoir un plat. Ouais. Je crois que tout à l'heure, si Yolande ne me bouscule pas beaucoup, je vais peut-être soumettre à dégustation deux ou trois petites choses et j'expliquerai que c'est partant d'une révolte que je suis arrivé à concevoir, concevoir les choses de telle ou telle façon. Et justement, au départ, la révolte que nous n'ayons pas de cuisine. La nuit que nous avons avec l'administration, c'est que tout le monde dit cuisine camerounaise, cuisine camerounaise. Il y en a même qui se sont dit qu'on peut déjà l'enseigner à l'école. Attendez, vous ne pouvez pas enseigner ce qui n'existe pas. Ouais. Ah, vous êtes toujours comme ça, vous de formation française, vous voulez toujours en dire. Alors que normalement, surtout à l'heure de la mondialisation, le Cameroun a urgence de se mettre au travail pour qu'en allant rencontrer les autres, nous parlions le même langage. Il faut que la cuisine camerounaise soit non seulement standardisée, mais normalisée. Parce que c'est une exigence de l'heure. Mais qui donne cette impulsion, chef? Comme tout dans nos pays, ça doit partir de l'administration. Parce que pour faire ce travail, il faut quand même certains budgets, il faut une certaine autorité pour mettre les différents corps de métier, les différentes compétences ensemble. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui assure un lien. Un professionnel de l'hôtellerie ou de la restauration ne peut pas. Il n'a pas autorité sur tout le monde. Il n'a pas le temps qu'il faut parce qu'il faut bien qu'il vive. Il n'a pas les moyens qu'il faut. Il n'a pas accès à la coopération parce que pour qu'on le fasse, nous allons forcément recourir à la coopération. Tant pour voir ce que les autres ont fait avant nous,
ouais. et éventuellement nous en inspirer, et parfois aussi pour mobiliser les moyens dont nous avons besoin pour effectivement les réaliser. D'accord. Une chose, mais est-ce qu'il existe une hiérarchisation dans votre métier de... Bien sûr, bien sûr. Vous voulez dire de cuisine? Oui. Bah, oui, on commence apprenti. Quand on a suffisamment appris, on est commis. Mm-hmm. Quand on passe de commis, on devient cuisinier. D'accord. Alors le cuisinier, quand il a travaillé pendant 3 ou 4 ans, peut devenir demi-chef. Ouais. Demi-chef. Quand on est demi-chef, très souvent, on est saucier. On est poissonnier, ouais. on est boucher, on est boulanger, on est pâtissier, ainsi de suite. C'est-à-dire, on commence donc à avoir une sorte de spécialisation avant maintenant de devenir chef de cuisine. Ça, d'accord. c'est un cheminement qui demande à peu près 15 ans de pratique. 15 années? Ça fait beaucoup 15 années. Hein. 15 ans, c'est beaucoup, chef. Mais dites-nous, quelle est la plus-value des écoles de formation? Ouais, en y matière en a de plein cuisine. Mm-hmm. Avant, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, il y en a des instituts qui forment notamment en hôtellerie, en cuisine. Je suis désolé, MG, au Cameroun, il n'y a pas d'école de cuisine. Ah bon? Mais ces instituts-là, alors, chef, il ne faut pas confondre les centres de formation, qu'on appelait centres de formation rapide à mon époque, oui. à l'école de cuisine. Ah. Au Cameroun, l'école correspond à une réalité juridique bien différente que tout le monde connaît et même que ceux qui donnent des autorisations savent. Mais on voit dans leur bureau des calendriers de ces écuries-là qui disent être l'école de l'emploi et ça ne gêne personne, alors que les fonctionnaires savent mieux que moi qu'est-ce qu'une école au Cameroun, qu'est-ce qu'un centre de formation et qu'est-ce qu'un institut. Heureusement, aujourd'hui, à Douala seulement, comme cadre camerounais, parce que nous avions une école nationale d'hôtellerie et de tourisme en Ngaoundéré, qui a été faite école CEMAC, donc elle ne nous appartient plus. Mais le Cameroun est justement ce pays où on a le BTS, le dernier diplôme, mais on n'a pas le CAP. Ah. C'est un scandale. Wow. En hôtellerie, on a le BTS, mais on n'a pas le CAP. Comment c'est possible? Alors, je crois que c'est une démission de l'administration. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. L'administration a démissionné et laisse à l'initiative privée la formation basique. Ouais. Alors que comme il y a des écoles primaires un peu partout au Cameroun, il devrait y avoir des écoles primaires des métiers du tourisme et de l'hôtellerie, comme il y a les sections artisanales rurales. D'accord. Vivement que l'administrateur s'y mette. Et surtout en le faisant qu'il ne fasse pas ce qu'il fait aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que confier toute la formation au ministère de la formation professionnelle, j'ai envie de dire au petit ministère de la formation professionnelle, allez voir ses locaux. C'est costaud. Allez voir ses locaux. Le ministère de la formation professionnelle n'est pas dans des locaux d'une institution qui peut gérer toutes les formations au Cameroun. Mm-hmm. Parce que récemment, on a même enlevé l'initiative au ministère de l'Agriculture, au ministère du Tourisme, au ministère spécialisé qui, eux aussi, se mêlaient de la formation. C'est que ça m'inquiète un peu, moi, là. Ça veut dire qu'en fait, on n'a encore rien fait. On est très loin. On n'a même pas encore commencé. Je n'ai aucune gêne de le dire. Ouais. Nous sommes loin d'avoir commencé en ce qui concerne la formation professionnelle dans les métiers du tourisme. Et quand on veut voir dans les détails, dans les métiers de l'hôtellerie où rien ne se fait d'ailleurs, et pire encore dans les métiers de la restauration, non, nous n'avons pas encore commencé. Il reste 25 minutes. Alors, les amis, on est toujours avec le chef Émile Ngoulou. Les amis sont en train de se battre dans 25 minutes. Ils doivent livrer leur copie ici. On fait juste une petite pause. On se retrouve. What is the new black? The new black is rich and creamy, with a distinctive taste that is an unexpected pleasure. There is only one milk stout. Castle Milk Stout. It is the new black. C'est à vous dans 1000 minutes. MJ, nous sommes où? Bono. Et c'était pour une graveur de
Et allô, on lance. Va-t'on. C'est ça notre secret. Randa, very good. Randa, spaghetti pur, c'est moule de blé dur, la qualité et le goût en 8 minutes seulement. Seulement à l'instant, ne soyez pas surpris, nous avons des maîtres ou des commis ou des apprentis ou je ne sais pas, mais nous recevons le chef Émile Ngoulou qui fait notre fierté à travers le monde et nous sommes très heureux ce soir de voir que les apprentis soient en train de se battre. Bon, c'est clair que vous savez très bien ce qu'il y a à côté, ça dit qu'en cas de... Non, il faut dire de se battre avec la peur de rater. Justement, maître, quand vous avez raté un plat, comment est-ce que vous réagissez face à cela? Ah ouais? Un mets n'est jamais raté dans l'absolu. Ah bon? Il y a toujours des mesures de rattrapage. J'explique souvent aux parents qui viennent me voir pour dire, ah, j'ai ma fille là, elle a tout raté. Oui. Et vraiment, si tu peux la prendre, même pour laver les assiettes, je dis, madame, attention. Ah d'accord. Ici, nous avons besoin des plus intelligents. Oui. Et pas des tanks. Parce qu'en fait, un cuisinier est en permanente réflexion. Oui. Et est en train toujours de croiser plusieurs spécialités à la fois. Mm-hmm. Donc la cuisine, c'est la chimie, la cuisine, c'est la physique, la cuisine, c'est le volume, c'est le dessin, la cuisine, c'est la peinture, la cuisine, c'est tellement de disciplines qui se mélangent qu'effectivement, on parle d'art. Si on a le sentiment d'avoir raté ce que l'on voulait faire, ce raté ressemble certainement à quelque chose d'assez proche. Mm-hmm. Et on peut aller vers ce quelque chose-là pour rester dans un standard. Mm-hmm. Très souvent, quand on fait un peu la formation sur la mayonnaise, oui, la mayonnaise ne monte pas toujours facilement. Il y a des mesures de rattrapage. Mm-hmm. Un peu d'eau glacée, recommencer avec un autre œuf. L'eau glacée, mais... de l'eau glacée, s'il vous plaît. Oui, oui. Elle est ratée la mayonnaise, chef. Là oh, d'accord. Ben, je viens voir. Mais chef, ratez. Ah. Il faut rajouter... Ça, c'est de la combine. Il faut rajouter des légumes et rajouter la mayonnaise. Ah ouais. C'est vous difficile. Dites, là j'ai ça c'est moi ça. D'accord. C'est mon bébé, c'est moi ça. Je suis comme mon père, j'ai déjà beaucoup de bébés, donc je ne sais pas lequel privilégier. Ouais. J'espère atteindre 38, je n'en suis pas encore là. Je veux dire en termes de création, mais j'ai déjà un certain nombre de bébés et oui, il y a une certaine fierté à se dire. C'est moi qui ai pensé ça, c'est moi qui l'ai conçu. Je suis le seul au monde à pouvoir le faire. C'est lequel, ou bien je suis le premier au monde à l'avoir fait. Les mets camerounais, jusqu'ici, sont quasiment invendables. Oui. Pourquoi? Invendables. Pourquoi? Prenons un mets comme le ngondo. Le ngondo? Oui. Le mets de pistache. Quand on le partage, mm-hmm.
aucun morceau n'est identique à un autre. Ouais. Oui, c'est vrai. Je mets quiconque au défi de me montrer deux morceaux de Ngondo ou de Namgon identiques. Il faudrait avoir une machine pour ça. C'est un produit invendable ainsi présenté. Mais on peut le vendre en disant qu'en fait c'est comme ça, on n'a pas... ça ne doit pas avoir la même forme en réalité. Ça va créer des problèmes parce que justement, la forme que vous donnez à Yolande. Oui. Si Yolande est avec Odette, Odette aura l'impression qu'on a donné à Yolande le meilleur morceau. Oui. Tandis que Yolande elle-même a l'impression que c'est à Odette qu'on a donné le meilleur morceau. Ouais. Donc du coup, ça fait que nous avons des mets invendables. Mm-hmm. D'où l'appel à la standardisation mm-hmm. de nos mets, comme je disais tout à l'heure. Au moins à la standardisation. Mm. Si nous avons le temps au cours de cette émission, peut-être je ferai un essai de standardisation. Ah, on se disait bien qu'il y avait quelque chose. Ah oui. Mais en tant qu'homme, cuisinier, est-ce que vous n'avez pas de difficultés particulières par rapport aux femmes? Vu qu'on dit généralement, ce sont les femmes qui font la cuisine. Oui, les hommes. Oh, bien au contraire. C'est ça, par contre, c'est l'un des rares avantages de mon métier. Ah ouais? Le rêve de cet homme-là qui fait à manger pendant qu'on se prélasse, alors qu'il n'en est rien. Vous le faites ou pas à la maison? Pour madame? Vous faites la cuisine pour madame? Il faut qu'elle soit malade. Hein? Ah, mais chef! Comment vous pouvez faire la cuisine pour les gens à l'extérieur et à l'intérieur Comment on peut demander à quelqu'un de travailler toute sa vie à l'extérieur et à l'intérieur Est-ce que, chef, quand madame a fait la cuisine, vous vous dites « Ah non, il y a trop de sel, vraiment. » Ou alors vous allez vous cacher pour ajouter un peu du cube ou bien de l'arôme ou des choses comme ça. Ou alors, madame est excellente, elle vous dépasse. Réponse très simple, je suis un homme doublement béni. Ah ouais? Doublement parce que c'est curieux. C'est comme si ma mère savait quel serait réellement mon parcours professionnel. Ouais. Et très tôt, elle m'a formaté à ne jamais commenter ce qui me serait présenté par ma conjointe. Ah. Avant même que je sois marié. Elle m'a fait admettre ça. Mm-hmm. Elle a même poussé jusqu'à me dire, même si tu sais qu'elle a mis du poison, mange-le. Mange. Je dis, maman, pas, quand même, tout de même pas. Donc, quand c'est pas bon, vous dites que c'est bon, alors? Ça, c'est ma première bénédiction. Non, je ne dis rien, d'une part. Ah ouais? Ça, c'est ma première bénédiction. Mais comment faites-vous s'améliorer? Ma deuxième bénédiction, c'est que je n'ai vraiment pas cette nature de problème. Ouais. Comme vous parlez maintenant, comme les jeunes parlent maintenant, elle a su grave. Elle a su grave. Oh. Maintenant qu'elle a su grave... Et qu'elle est dans cette salle, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, normalement, parce que c'est souvent comme ça. Un dit elle a su grave là-dehors, alors que dans nous, on veut voir le bisou qui confirme qu'elle a su grave. On veut voir le bisou qui confirme qu'elle a su grave. Non, madame va d'abord venir ici, où je vais la chercher, parce qu'elle sent que si je n'y vais pas, elle ne bougera pas. Madame va venir. Qu'est-ce que le bijou a à voir avec les mets? Madame, oui. Ah oui, la femme du chef est le chef des femmes. Donc maintenant, on veut... Non, il faut que ce soit ici. Hein? Il faut qu'on voit bien. Ici, non, face à face. Allez! Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez mon signal. Ici, chef. Voilà. Il faut qu'il confirme qu'elle a su. Le bisou. Ah bah. Non, on ne récupère rien. Vous aussi, laissez ça. Top chrono. On ne regarde même pas. Il faut combien le de temps? Le bisou, beaucoup. Il faut combien beaucoup de temps? S'il y a chrono. Beaucoup. Bisous. Bah, ça. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Au moins, le chef a confirmé, lui. Non, il a confirmé. Il n'a pas les bureaux dehors. Parce que les gens qui ont les bureaux dehors ne font pas ça. Donc, chef, c'est quelqu'un de très fidèle. Et bravo pour lui. Hein. Wow. Alors, chef, on va faire venir ici Pat et Vin, qui, en réalité, est là pour décrypter un peu votre look. Donc, il a pu choper quelques images. Donc, on va regarder Pat entre pendant que les autres sont en train de
de faire la cuisine. Mais c'est quoi ça? Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. De vous couper. Oui. Tu vois, je transpire. C'est vraiment difficile de ça. Et ça inspire le français. Oui. Vous étiez arrivé de vouloir abandonner. Chef, est-ce qu'il vous est arrivé de vouloir abandonner quelquefois? Si c'était à refaire, je le referais. Ah, pareil. Parce que vous avez quand même un parcours que vous avez recommencé à chaque fois. Vous n'avez pas eu peur de recommencer. Si c'était à refaire, je le referais tout simplement. Ouais. C'est un métier formidable, à plus d'un titre. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas imaginer combien on se sent modestement important. Ouais. Par exemple, lors des obsèques. Ouais. Très souvent, la dernière ligne du faire-part dit collation. Ouais. C'est bien collation, pas autre chose, que l'on s'entende bien. Parce que j'ai vu qu'il y a quelques partisans d'autre chose que la collation. Et en fait, ouais, des gens se surprennent pendant cet instant-là, mm-hmm, à avoir oublié ce qui les a amenés là. Parce qu'il s'avoue un repas. Ouais. À ce moment, on a l'impression de n'être pas simplement un artisan. On a le sentiment d'être en partie celui qui ramène à la vie, même mm-hmm si on est dans un contexte assez triste. Donc le cuisinier, en fait, je veux que tous les confrères, tous ceux qui apprennent ce métier, ouais, l'abordent comme cela. Le cuisinier n'est rien d'autre qu'un notable dans une cité. Alors, Pat Even, alors qu'est-ce qu'on a trouvé du look du chef? Déjà, en tant que chef cuisinier, c'est difficile de nous voir dans les tenues comme on veut. Déjà, il est toujours en tenue de travail, il est là, il va essayer de nous expliquer un peu. Mm-hmm, laisse Dominique passer. Mince alors! Waouh! Mm-hmm. Alors, sans plus tarder, on va regarder la première image. Ah! Là, il est en costume. En costume et en tenue très simple. C'était à quelle occasion, chef? La photo de gauche, oui, en réalité, oui, est ma tenue normale. Ah bon? Aussi surprenant que cela puisse être. Ouais. C'est très récemment que je suis sorti de ces atours-là parce que de plus en plus, le métier m'appelle. Mais comme je vous ai dit, à l'origine, je suis un administrateur de l'hôtellerie. Un administrateur, forcément, et un tenue d'administrateur. C'est madame qui choisit vos tenues? La réponse à votre question, c'est oui. Ah ouais, ça c'est génial. Elle a su ses arrières. Alors, deuxième image. Deuxième image. Ah, moi je vois le drapeau, le vert ou jaune. Hein. Alors, ma question, là, avant de continuer, c'est quoi? On vous retrouve avec beaucoup de couleurs. Est-ce que ces couleurs ont une signification particulière? Les couleurs, parce que les deux premières photos, c'est sur un plateau de télévision. Je ne sais pas si ça vous convient qu'on en parle, mais je crois que c'est de notoriété commune. Mais est-ce que les couleurs correspondent à un grade ou un truc comme ça? Les couleurs, pas tout à fait. À l'origine, nous nous mettons en blanc d'une façon générale. Mais il y a eu une émanation américaine qui a fait que blanc, ça faisait un peu trop clinique, un peu tristounet. Donc, on a introduit des couleurs en fonction des établissements, de la fantaisie que l'on veut mettre. Mais moi, surtout, quand je fais de la télévision, oui, c'est pour ne pas gêner les réalisateurs, parce que le blanc qui éclate fait que je suis tenu de sourire tout le temps si je veux qu'on me voit. Mais moi, j'adore avec le drapeau du Cameroun, là. C'était à quelle occasion? Là, avec le drapeau du Cameroun, c'est à Washington. Ah. Justement, lors d'une de ces missions de fundraising, quand il fallait trouver de l'argent pour l'ouverture du musée national, okay, comme je l'ai évoqué okay, tout à l'heure. Et quand je vais dans un pays, j'ai son drapeau à droite et le drapeau du Cameroun à gauche. Génial. Le drapeau du Cameroun, parce que j'avais surpris une discussion entre deux convives. Mm-hmm. Là, c'était à Sao Tomé. Oui. Je suis allé travailler à Sao Tomé et quand je passe, ma tenue n'avait pas encore de drapeau, juste le nom. J'ai surpris une conversation. Tu as vu, il s'appelle Ngoulou. Il est de chez moi, disait le Centrafricain. Ouais. Et le Congolais de l'ancien Zaïre dit non. Il y a même eu un ministre chez nous qui s'appelait Ngoulou. Il est certainement de chez moi. Ouais. Alors depuis ce jour, j'ai choisi
de répondre avant qu'on la pose à cette question. Ah, d'accord. Où je suis. Qu'est-ce qu'on peut dire du look du chef alors? Le chef est quoi? Il est swag, c'est un chef swag. C'est un chef swag. Il est très simple. C'est un peu. Mais ce que je dois dire quand même, il faut que j'en profite pour le dire, qu'on passe dessus, c'est que j'ai eu le privilège d'être formée par le chef Émile N'Golo. Ah ouais. Ah ouais. Vous applaudissez trop tôt. C'est comme pour le bisou tout à l'heure. Comment ça, chef? Une petite démonstration. De quoi, chef? À venir, de la formation, justement. Il nous reste 2 à 3 minutes et que apparemment Renaud, Dominique, MG sont prêts et que Queen. Oh! Et voilà! Allez, on prend juste une petite pause et on va revenir avec la note du chef ici sur le plateau. Rejoignez la communauté Catapult sur la page Facebook de Catapult. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapult. Is the new black. The new black is rich and creamy with a distinctive taste that is an unexpected pleasure. There is only one milk stout. Castle Milk Stout. It is the new black. C'est à vous dans 1000 minutes. MJ, nous sommes où? Bono. C'était pour une fin de l'émission. On lance là. Allez. C'était bon jusqu'à. En plus, ça ne collait même pas. Réalo, on lance. Batoum. C'est ça notre secret. Rada. Randa, spaghetti pur, semoule de blé dur, la qualité et le goût en 8 minutes seulement. Après cette petite pause, nos amis ont déjà terminé. Déjà, ils étaient installés, après ils se sont relevés. Et puis, je pense qu'ils ont pensé que l'entrée, il fallait la manger avec du macabo. Et puis, on s'est souvenu que c'est du pain. Et puis, chef, je vais vous inviter peut-être à... On attend la note, là. Donc, c'est vous qui savez ce qu'il y a à faire. On parle de dressage. Oui. On parle de, on va dire quoi, la déco, on parle du goût, on parle de tous les sens, là. Je suis tellement impressionné que je tiens à faire des photos. Très bien. On commence par Dominique. Oui, Dominique. Bon, vu que je suis une fille et que j'aime beaucoup sourire. On a vu que tu es une fille. T'as pas le mérite. J'aime sourire. Beaucoup sourire. Explique, ne sourit pas. Mon plat, donc, c'est le visage. Qui
sourit. Donc, ah bon? On a les sourcils, les yeux, le nez, le petit sourire, les oreilles et puis on a avoir des petites boucles d'oreilles. Waouh! Wow. Wow. On va se mettre ici, Et maintenant, au niveau de l'ensemble, le chef va peut-être goûter d'abord, moi, je ne sais pas. Avant de goûter, il faut faire attention. Oui. Mettre à la bouche est la dernière étape de la cuisine. D'accord. Parce que les premières étapes sont tous les sens que l'on a. Mm-hmm. On mange avec les yeux, on mange avec les oreilles, on mange avec le toucher. Les gens qui n'ont pas le temps de manger avec les yeux, et quand ils ont faim, là, le goût est vraiment... Ils font semblant de ne pas avoir le temps alors qu'ils l'ont. Oui. Donc, moi, je suis impressionné par ce que Dominique a fait, parce qu'il y a une sorte de logique quand on voit les choix chromatiques qu'elle a fait. Maintenant, au niveau de... On va dire tout ça globalement, là, de la table. Est-ce que tout est bien positionné? Il y a des observations générales à faire, déjà, avant d'aller à la table de la cuisine. D'accord. La cuisine, ce n'est pas du gaspillage. Voilà. C'est-à-dire, quand on juge, en fait, le juge va voir qu'est-ce qu'on a fait de tous les produits que l'on a soi-même choisi d'utiliser. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'elle a utilisé 4 œufs, mais quand je ne vois que 2 qui se retrouvent là, c'est assez demandé où sont passés les 2 autres. Elle a mangé. Elle les a avalés. Et maintenant, effectivement, je vois sur la plupart des tables beaucoup de gaspillage, et ça, ce n'est pas de la cuisine. C'est bien pour ça que je faisais une différence entre la façon de... Enfin, je peux même dire les errements alimentaires, disons les habitudes alimentaires, et ce qu'on peut véritablement appeler cuisine, parce que ça tient compte effectivement de tout ça. D'accord. S'il faut donner une note, elle est au-dessus de la moyenne, là, Dominique. Sur 10, ce serait combien? Ce sera 7. 7 sur 10. Chef, est-ce que ça devrait être dans cette assiette? Quand on a le choix, est-ce que l'assiette-ci convient? Telle qu'elle est présentée, comme ceci, pas tout à fait, parce que là, c'est une assiette à plat principal. Voilà. C'est le premier problème qu'elle pose. Voilà. Bon, maintenant, ça dépend si elle nous a servi un hors d'œuvre, qui peut être le plat principal, d'accord, ou si elle a servi une entrée. Nous avons dit entrée hors d'œuvre. Je pense qu'on pourrait, on pourrait très bien la protéger de cette façon. Mais d'accord. Maintenant, une assiette plate sur une autre assiette plate, jamais. OK. Le seul cas que le protocole prévoit, c'est une assiette creuse sur une assiette plate. Tout simplement. L'assiette creuse, quand elle est sur une autre assiette, doit être posée sur une serviette parce qu'il faut éviter... On mange avec les oreilles aussi, je vous ai dit. Exact. Donc, on met une serviette entre les deux. Et celle-ci est plutôt l'assiette à plat principal. Si c'est le plat principal qu'elle nous a présenté, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les verres, puisque nous parlons de la mise en place, pour les verres, je vois 4 verres. C'est même quoi? C'est les verres à quoi d'abord de vous? Là, il y a le verre à eau, le verre à vin rouge, le verre à vin blanc et puis le verre à la petite champagne. Ils ont la même taille, les deux verres. Le verre à vin blanc est généralement beaucoup plus petit que le verre à vin rouge. D'accord. Et la règle en matière de mise en place à table, c'est jamais plus de 3. Cette règle ne s'applique pour autant pas pour les assiettes, je tiens à le préciser. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de cas de figure où on accepte 3 assiettes ensemble, dans le savoir-vivre international. D'accord. Maintenant, concernant les couverts, j'ai l'impression que il y a une entrée, mais comme apparemment, on n'a présenté que le plat principal, parce que quand on a 2 couverts, comme ceci, si celui-ci est donc le plat principal, ça suppose qu'il y a une entrée, exact. Et cette entrée serait un poisson, quand on voit que nous avons une fourchette à poisson. C'est peut-être une paella, c'est peut-être quelque chose comme une paella sous forme d'entrée. Ah, c'est ce qu'on se dit. Et, étant donné qu'il n'y a pas de couteau à poisson, c'est que c'est un mets qui ne demande que l'utilisation de la fourchette. Voilà. Et à ce moment d'ailleurs. N'enlevez pas. Et à ce moment d'ailleurs, d'une façon générale, même si ça surprend certains, la fourchette est à droite. Parce que la plupart des convives sont plutôt droitiers. Et d'accord. Quand on a 3 verres, donc, si nous éliminons celui-ci, 3 verres, ça va donc être un verre à eau et un verre à vin et une flûte. On va les présenter plutôt en grappe, comme d'accord. ceci. On fait une grappe. Donc, le verre à vin,
pratiquement au niveau du couteau. Mm-hmm. Ensuite, le verre à eau, oui. En diagonale, en biseau si on veut. Et donc, en grappe, la flûte. Voilà. Pas de changement. Vos bras derrière, c'est... voilà. La cuillère à entremets, donc, ou à dessert, elle est plutôt bien posée. Parce que quand on pose une cuillère, la cuillère s'utilise de la main droite. Donc, il faut que le manche soit du côté droit. D'accord. Est-ce qu'on va goûter quand même? On prend le risque de goûter. Oui, justement, pendant que Queen nous explique est l'objet de la recherche visible sur Seigneur, son assiette. Tu connais le cœur du monde ici. Seigneur, bénis ce repas. Bénis les mains qui l'ont préparé. Et bénis ceux qui vont manger. Et donne à ceux qui n'en ont pas. Amen. Voilà. La pharmacie est même fermée. Il fallait simplement dire bénis-moi parce que je ne sais pas s'ils seront nombreux ceux qui vont manger. Acide. Je ne sais pas si c'est la Macédoine qui était déjà comme ça, mais tu as acheté du vinaigre. J'ai l'impression qu'elle a dilué la Macédoine plutôt avec du vinaigre. Ça pouvait être bon, hein, mais c'est quand même pas acide. Je sais pas. Aigre. Oui, un peu aigre. Donc, dans ce cas, ce que je lui conseillerais, c'est avant de servir son plat, qu'elle le rafraîchisse parce qu'il paraîtra moins aigre. What is that? It's a spider. Une araignée. Wow. Ça. Il faut pas rater ça. Ah non, il faut pas rater. Oh. Yes. Just explain. Thank you very much. On n'a même pas encore fini. Oui. Okay. Yes, Queen. I did it in the form of a spider to create a little diversity because I saw what my colleagues were doing. So you have cheated. No, tu as triché. Ouais, tu dis que tu as vu ce que les autres ont fait. Ok. Yes, go ahead. And because they asked us to do an entree, an appetizer. Yeah. I did not understand quite well whether it's an appetizer, main course. What. That's why I did it small, because for an appetizer, it's not good to eat heavy. Mm-hmm. Eat just a little that will give you, that will open your mouth. That's what mm-hmm. it's in quotes. So that you can be able to eat very well your main dish. So at the left, we have our fork. Then to the right, we have our knife and our spoon with the complement for the salad. La pugoguto c'est placé en anglais. Yes. Then we have, we use 3 cups. Même chez les Anglais, ça, ils ne se posent pas de cette façon. Un couteau posé comme ceci est une déclaration de guerre. Ah. Si vous m'invitez et que je trouve que vous avez placé votre couteau, la partie coupante, vers la droite, c'est que vous m'invitez à me blesser. Parce que tout dans le savoir-vivre international s'explique. Pourquoi on pose le couteau à droite? C'est parce que la plupart des convives sont droitiers. Pourquoi on le pose la partie coupante vers l'assiette? C'est justement pour protéger la personne qui va s'asseoir. Parce qu'en bougeant, on peut être en contact avec la lame du couteau et se blesser. Il faut se dire d'une façon générale. Yolande, j'espère qu'elle saura me le répéter, bien que ça date de depuis très longtemps. Non, c'est là. Toutes les règles de savoir-vivre... Mais je ne peux pas dire à la télé. On à la base, quel souci? C'est ça. C'est un peu vieux, n'est-ce pas? Ouais. Toutes les règles de savoir-vivre ont à leur base un souci, soit d'hygiène, soit un souci de sécurité, soit les deux à la fois. Je mets quiconque au défi d'énoncer une règle de savoir-vivre, je lui montrerai le souci d'hygiène ou le souci de sécurité ou les deux. Moi, je suis très impressionné quand même par l'intention et sur la force de matérialisation de l'intention. D'accord. On reconnaît quand même, on sait dans tous les cas qu'il s'agit d'un insecte. Mm-hmm. J'adore ses yeux, plutôt tentaculaires. Je ne savais pas que l'araignée peut comme ça exorbiter ses yeux. C'est quand il est fâché. L'araignée est fâchée. Et j'ai envie de demander à Queen, quelle est cette partie de l'araignée qui ressemble aux yeux? La partie blanche.
ici, c'est the part of the abdomen, that part that protrudes under the wings, because you have... Comme l'abeille, là. Yes, here, yeah, like... yeah, d'accord. Donc Division internationale du travail. Oui. La note, c'est combien, chef? Non, il faut d'abord vous c'est ce que je suis en train de faire. Mais comme je sais que... L'autre note, on l'a donnée même avant de goûter. Je suis... Je suis vraiment à l'aise avec cette équipe. Pas mal. Je suis à l'aise avec cette équipe en ceci que... même là aussi, je donnerai... Est-ce que tu as rincé la Macédoine? Je donnerai la même note. Tu as rincé la Macédoine? En anglais. It depends on one Macédoine. Non, j'ai l'impression en réalité tenant que compte ça n'a pas été... Tenant compte des conditions dans lesquelles on a fait travailler les candidats. Oui, bien sûr, il y avait la pression. Il y avait non seulement la pression... La découverte d'un certain nombre de choses. Oui, il leur fallait bien des robinets pour pouvoir essorer. Qu'est-ce qui donne cette note sucrée, là? J'ai mis un peu de sucre, juste un peu, parce qu'il y avait le vinaigre, pour balancer. D'accord. Effectivement, c'est dommage que l'on arrive. La cuisine, c'est une recherche permanente d'équilibre. Il arrive que l'on recherche de la concomitance, mais cette concomitance doit être équilibrée. C'est-à-dire, aucune sensation ne doit dominer les autres, ne doit prendre le pas sur les autres, parce que il faut que ce soit véritablement équilibré. Alors, les verres disposés comme ceci, non, pas tout à fait. L'ordre dans ce sens, non, c'est plutôt l'ordre inverse. C'est ce que je disais, chef, elle a mis en anglais. Même en anglais, on boit d'abord le vin blanc avant le vin rouge. Oui, c'est clair. On ne sait pas. Donc, sur 10. Moi, je suis bien généreux pour lui donner la même note. Ça fait une moyenne de l'équipe de 7 sur 10. 7 sur 10. Oui. 7 sur 10. Maintenant, à nous deux. Donc, passons du côté des tricheurs. Chef, le mieux, c'est qu'on se mette vraiment. Voilà. Bien. Et... Trois verres. Le tarot. Je commence par la disposition. D'accord. Trois verres. Un verre. Ils sont tous de taille identique. Ça pose un problème. Quand vous faites ça à la maison, ça veut tout simplement dire aux convives que peut-être suite à des difficultés économiques, vous n'avez pas pu renouveler votre stock de verres. Vous n'avez pas pu renouveler votre stock de verres. Oui. C'est pour ça que vous les présentez ainsi, même s'il y a un de trop, comme nous disions tout à l'heure. Mais n'hésitez pas à faire ça, plutôt que de faire des mélanges atypiques qui ne correspondent à rien. D'accord. On voit certains mettre plutôt peut-être un verre à long drink à la place de... Je veux dire, quand on va boire du vin, il ne faut pas hésiter à le présenter comme ceci. Mais quand vous le faites, faites attention aussi à ce qu'on ait l'impression que c'est parce que vous ne savez pas à quoi sert tel verre que vous présentez les verres de cette façon. Donc là, c'est quoi alors? La tête de qui? C'est à elle de nous expliquer son intention. Bon, j'ai opté pour l'esthétique, le goût, mais surtout la santé aussi. Ok. L'esthétique d'abord, parce que là, c'est comme un jardin, et au milieu du jardin, c'était la plus belle fleur. Or, le jardin, c'est la nature. À un moment donné, quand on a des soucis, on se rend au jardin et puis tout est oublié. J'ai parlé de l'esthétique, j'ai parlé du goût que vous allez apprécier. Maintenant, la santé, parce que j'ai préféré mettre beaucoup de carottes quand on sait que la carotte nous aide par rapport aux yeux, par rapport à la bonne digestion et tout ça et tout ça. Les discours, beaucoup de discours comme ça. La forme, là, c'est quoi? Bien. Donc, c'est un jardin, tout simplement. Et le thème, c'était quoi? Il me semble que c'était soit un animal, soit une personne, Moi, j'ai pas suivi le thème. Ah! Ça arrive de rater un examen parce qu'on n'a pas bien lu l'épreuve. Donc, c'est humain. On dit souvent, si on vous demande de parler du ciel, si vous ne connaissez pas le ciel, parlez bien de la terre. Bon,
Qu'est-ce qu'on pourrait dire, en tout cas, dans la logique de la terre, oui. on se retrouve parce qu'il y a effectivement un florilège comme ça de jardins. Dans tous les cas, on dirait des pots de fleurs. Et il est clair qu'elle est hors sujet. C'est ce qu'elle a, elle a bien confessé de l'avoir fait. Mais nous demande de bien vouloir considérer que, pour ne pas paraître irrespectueuse, ne pas du tout plancher, elle a quand même proposé quelque chose. Bien. Mais chef, pour ça, c'est vous qui allez d'abord goûter. Même pas moi. Ok, je suis d'abord d'accord. D'abord vous, chef, oui. Je suis d'accord, oui, nous allons goûter, voilà. Oui, chef, donc, allez-y d'abord. Le bouillon, ça c'est le bouillon d'entrée. Le bouillon d'entrée. Par contre, le rendu est plutôt surprenant. Encore là, s'il vous plaît. Par contre, chef. Le rendu est plutôt surprenant quand on est adepte du sucré salé. Voilà. Comme moi. N'est-ce pas? Donc, on peut jauger sur le goût. En termes de goût, jusqu'ici, moi je suis plutôt sucré-salé, mais justement. En termes de goût. Je vous remercie. Mais comme ce n'est ni un animal, ni une personne. C'est clair que n'étant ni un animal, ni un personnage, on va la noter à partir de 5. Okay. À partir de 5. Oui. Elle aura une note sur 5. Parce qu'elle est, pourquoi, chef? Non, tout le monde se dit, chef. Combien sur 10? Ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir plus de 5 déjà. 2,5 sur 10. Ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir plus de 5 déjà. Maintenant, pour la qualité de sa sauce, on ne va pas lui donner la sous-moyenne sur 5. On peut lui donner 3 sur 10. Donc. Hey, je suis en train de faire quelque chose là. Oui. Chef, 3 sur 10. Oui. En principe. 3 sur 5. Quand il s'agit de cuisine, le goût importe que la présentation. Il y avait quand même. Il y avait un thème. On n'a pas respecté le thème. Donc, combien sur 10 au total? 3 quand même. 3. Nous sommes à 3 sur 10. 3 on sur ne va 10. Pas se reprendre. Alors, il faut. Oui, Renaud. Là, c'est un homme, un être humain. On voit avec tout ce qui nous arrive, tout ce qu'il y a comme instabilité dans le pays. Oui. On est toujours joyeux parce qu'il ne faut pas se décourager pour montrer à ceux-là qu'ils essayent de nous atteindre, de nous affaiblissent. C'est pourquoi le bonhomme, il sourit. Il sourit. Lui, il a un sourire. Oui. Donc, il est dans la joie, il est heureux, quoi. Il est fort, quoi. Ouais. D'accord. Waouh. Il ne faut jamais rater ce genre de sourire. Ah ouais. Il faut l'immortaliser. Un beau sourire, hein. Waouh. Donc, en réalité, le message, c'est quel que soit ce qui se passe. Qu'est-ce que soit, c'est quel faut que pas soit montrer ce qui se passe, qu'on faut est. Il ne faut pas montrer qu'on est affaibli moralement, intérieurement. Mais ça, c'est un beau message, par contre, chef, vu la situation qu'on traverse actuellement. Ce qui est curieux, c'est que Renaud est davantage psychologue que cuisinier. Parce que c'est maintenant qu'il parle de sourire que je fais l'effort de voir un sourire. Ouais. Et je finis par le voir. D'accord? En plus, quand c'est soutenu par ce superbe message, ouais. Il dit, malgré ce qui nous arrive, ne cédons pas à laisser accomplir les intentions de ceux qui nous agressent. Ouais. Il faut garder le sourire, quel que soit ce qui arrive. Bah, donc, ça veut dire que ce plat-là, on le dédie tout de suite à nos forces de défense, d'accord, qui sont au front. On le dédie à toutes les personnes qui sont directement touchées par ce qui arrive. Et bien sûr, on va applaudir pour eux. Bien, comme je sais que Yolande est impatiente de goûter elle aussi, il faut que je trouve un autre couvert. Oui, chef. Oui, chef, allez-y. Ne reculez pas trop, chef, Yolande. Chef, d'abord. Il faut respecter les droits de naissance et tout ça. Et ne reculez pas trop. Faut pas. Non, à la maison, il faut respecter les aînés. Les aînés d'abord et les petits après. Sauf si c'est l'aîné lui-même qui dit, petit, vas-y. Quand tu sens que c'est le piège, tu dis que non, grand, laisse. Vas-y. En matière d'alimentation, c'est peut-être le petit d'abord. Ça dépend, chef.
Oui. On ne sait pas si c'est sucré, si c'est salé, si c'est aigre, si c'est mou. Il faut peut-être goûter avec l'œuf. Avec l'œuf? C'est équilibré. Effectivement, c'est la définition d'équilibré quand on ne sait pas si c'est... Bon, je voulais prendre le sourire là, mais où ce sont les dents? Et le clou de girofle, il ne serait pas sympathique directement comme ça. Ouais. Moi, je pense que la note de de Renault est peut-être compensatoire de celle de MG. Mm-hmm. Nous ne sommes pas dans la perfection, en tout cas. Mm-hmm. Mais c'est ce qu'il a fait en termes d'intention, en termes de noblesse d'idée, ouais. Fait que s'il y avait un classement individuel, qu'il soit en tête de tous les concurrents. Ouais. On parle donc, de ça. On n'a pas encore donné la note. Combien, chef? Je pense qu'on peut lui donner, on peut aisément lui donner un 8,5. Wow. Ok, donc, d'accord. Chef, on a donc, après, pardon, non, on a 7, 3 et 8,5. Donc, ce qui signifie donc que à partir de la terre, c'est ça? De la terre et tout ce qui s'y passe, on réussit, n'est-ce pas, à voir des gens qui viennent nous sauver cette araignée-là pour qu'on garde le sourire. Bravo à vous, en tout cas. J'ai une question à poser. Oui, chef. C'est vrai qu'on a échangé et assez souvent, je sentais que vous êtes en sciences de préparation. Dites-moi rien que la vérité. Oui, chef. Cette conclusion-là, elle était répétée? Non, pas du tout. On a tous deviné ce qu'on devait faire là sur place. Bon, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient concocter ça? Je alors, sais pas. Alors, big up à Yolande. Ah! Je suis très timide, mais comment ne pas remercier ma famille et toutes les personnes qui ont contribué et qu'on regarde maintenant. Il y a un concurrent qui s'est essayé. Dans, wow. Dans la représentation de quelque chose avec les mêmes matériaux, parce qu'en fait, c'était, ils sont allés beaucoup trop loin. Oui, alors que c'était simple. Beaucoup trop loin. Il faut aller loin, chercher, viser le ciel, et comme ça, au moins, si on rate le ciel, on tombe sur les nuages, on continue, c'est le soleil. et qui a fait ça? Quand on vise le ciel, et qu'on n'a pas de notion de parachutisme. Ouais, si on rate le ciel, on peut effectivement plutôt produire une catastrophe. Mm-hmm. Donc, mes chefs, vraiment, on comprend que ce n'est pas du tout facile ce métier-là. Mais vous êtes exercé. C'est bon, hein. Donc, ça, je garde. Vous êtes exercé un autre métier qu'on va découvrir tout de suite dans un jour ailleurs. Chef Ngounou, garagiste, est-ce que ça a un lien? Allez, on regarde ça, on se retrouve sur le côté. Tout comme un médecin, le garagiste spécialisé dans l'entretien et la réparation des véhicules automobiles est présent dans la vie de tous ceux qui ont un véhicule. Question: concocter des plats précieux et délicieux avec précision et attention d'un côté, prendre soin des voitures de l'autre, le parallèle entre les deux est-il possible? C'est du côté de Bastos, à Yaoundé, que notre ambassadeur de la cuisine camerounaise, j'ai nommé chef Émile Ngoulou, a choisi de faire face au défi de ce métier aussi complexe que passionnant. Si tu as fini d'enfiler ta blouse, pas de temps à perdre, passons au briefing. Bon, comme tout en France, quand vous êtes nouveau, vous ne devez pas trop regarder ce que les autres font. Bien dans le sens de qu'il faut seulement regarder le travail sans savoir comment vous êtes mieux pour apprendre un métier et savoir que c'est votre avenir, tout le consort. Savoir que parmi les enfants, il y a d'autres qui apprennent pour persévérer. Bon, il y a d'autres qui savent que bon, ils viennent là pour perdre le temps, tout le consort. Vous devez avoir un objectif dans la tête, savoir que bon. Vous êtes venu vraiment obtenir un métier. Qu'est-ce que vous
respect pour l'outil comme on pense. Eh oui, chef, même ici, la propreté est de mise. Une véritable base dans l'apprentissage et le souci du travail fait proprement. Tu en sais quelque chose. Passons donc aux choses sérieuses. Les tâches effectuées par les garagistes sont diverses. On peut citer entre autres l'entretien courant des véhicules, vidange, réglage, remplacement des pièces d'usure, l'entretien ou la remise en état des circuits électriques et bien d'autres. Ici, tout est coordonné et chacun a son rôle. Il faut d'abord réceptionner et identifier le véhicule. Après cette étape, le travail peut commencer. Mais chef, où est passé ton matériel? C'est la clé là que tu cherches depuis comme ça. Va savoir même s'il sait de quelle clé on parle. Dévisser alors, c'est toute une autre histoire. Enfin, il a fallu du temps. Malgré la difficulté de la tâche, notre garagiste d'un jour reste concentré, motivé et déterminé à réussir sa mission. C'est bien, chef! Continue comme ça! La réussite est au bout de l'effort! Petit cours de diagnostic. Il faut suivre attentivement. Là, généralement, on est en train de travailler sur Mercedes. Là, on clique sur l'insigne Benz pour définir la marque de voiture sur laquelle on va travailler. Là, ça c'est une ML. On a toute une série de Mercedes. On a les classes A, les classes B, les classes C, les classes E. Comme on travaille essentiellement sur une Mercedes ML, on va aller cliquer sur la marque M classe. Référence du calculateur moteur. Le deuxième point, c'est lecture des codes de défaut. Le troisième point, c'est les mémoires d'événements. Donc elle a enregistré les défauts antérieurs. Et là, on peut effacer les défauts. Et les données de réinitialisation et d'adaptation au calculateur. Mais là, essentiellement, on va diagnostiquer le calculateur moteur. Donc, on lui demande de nous donner les défauts qui sont contenus dans son calculateur. Calcul par-ci, calcul par-là, on se croirait à un cours de mathématiques. Et dit qu'on croyait que ce n'était qu'une affaire de boulon. Passons à autre chose. Voilà, ça commence à venir. Les doigts agiles de notre ambassadeur de la cuisine camerounaise commencent déjà à s'adapter. Pas mal, chef Ngoulou. Ce domaine est si complexe et varié qu'on se pose la question de savoir combien de temps il faut pour devenir un bon garagiste qui ne nous abîme pas nos véhicules, bien évidemment. Ça a l'air d'avancer. Un petit contrôle du coach parce qu'avec les apprentis, on ne sait jamais. On démarre. Et non, chef, il manque sûrement quelque chose. Voilà! Mais ce n'est pas encore fini, chef. Il faut remonter à présent. Notre garagiste d'un jour, chef Émile Ngoulou, est un vrai élève assidu. Pas vrai, coach? Une appréciation, boss? Il peut faire la mécanique, vraiment. Il peut faire la mécanique. Ce qui m'a plu, c'est la façon dont il a monté le filtre, ouais. La façon qu'il a positionné le bloc filtre à air, vraiment. Un apprenti, pour qu'il l'apprenti fait ce genre de travail, c'est vraiment, ça prend trop de temps pour l'apprenti, vraiment. Et en un temps, quand il monte comme ça, là, on comprend que ça va aller vite. Que l'élève peut dépasser le nôtre. Plutôt prometteur. Bravo, chef. Mais la vérité, c'est que on te préfère au fourneau pour nous concocter ces délicieux plats qui nous émoustillent les papilles. Peu importe le métier qu'on choisit d'exercer dans la vie, il faudra noter que la persévérance vient toujours au bout des obstacles. On est là devant une présentation, une création du chef Ngoulou. Il va nous expliquer de quoi il s'agit. Oui. Le cri de colère, en fait, c'est plusieurs réactions. Mm-hmm. La première, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, quand on a le mets de pistache, jusqu'ici, aucun morceau ne ressemblait à un autre. Oui, OK. On voit très bien que maintenant, on peut, j'ai donner standardisé, des donner des formes, parce qu'en fait, on mange avec les yeux, oui. et on doit pouvoir servir équitable pour avoir le même prix. Mm-hmm. Un commerce qui marche un peu à la tête, comme on dit, du client, ne risque pas de prospérer. Oui.
Pour la première fois, un cuisinier présente un mets et sa garniture. En fait, j'arrive à ça parce que chaque fois qu'on me demandait un cocktail, j'étais obligé de dire canapé au jambon, canapé au saucisson. Quand je dis, quand je dis après tout, je suis de chez Maxime, je veux dire canapé au caviar, canapé au saumon. Rien d'africain, rien de camerounais. Et là, maintenant, on dit canapé à quoi? Ça, c'est le canapé Ndolé Miondo. Canapé Ndolé Miondo. Oui, ici, c'est le canapé Namgon et Bobolo. Parce que c'est, Namgon et Bobolo. Effectivement, c'est l'appellation. Et à côté, nous avons donc plutôt les coquilles. Et on se rend compte qu'on peut changer... on peut changer de garniture. Ici, c'est le plantain, alors que là, c'est le bâton de manioc. Ça peut être l'igname si on veut. Donc, on peut avoir cet assortiment autant de fois que les ingrédients camerounais permettent de l'avoir. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, franchement? Maintenant, oui, MG. La distribution peut se faire. Oui, maître, chef. Oui. Est-ce que avant vos prestations, il y a quand même des contrôles phytosanitaires, question de vérifier la qualité de l'aliment? Première chose, la vérification chez nous est subsidiaire, pour ne pas dire accessoire. Pourquoi? Je préfère vous avoir dans mon restaurant que de vous savoir à l'hôpital. Donc, je ne poserai jamais des actes de nature à vous envoyer à l'hôpital plutôt que ceux qui font que vous veniez à mon restaurant. Maintenant, il y a des autorités qui sont chargées de s'assurer d'un certain nombre de contrôles. Mais rassurez-vous, quand on met au point un produit comme celui-ci, on ne passe pas des analyses en laboratoire. Et très bientôt, le public saura que quand on mange 100 grammes d'indolé, on consomme tant de kilocalories, très tant de kilojoules. Chef, au-delà, au regard de votre expérience, quel conseil vous pourriez donner aux jeunes qui aimeraient être comme vous, qui aimeraient aspirer à ce métier? J'ai rencontré un jeune homme il y a assez longtemps qui m'avait écrit en me disant « je veux être comme vous ». J'étais encore directeur de la restauration. Il vivait à Yaoundé pendant que j'étais à Douala. Je l'ai fait venir pendant les congés de Noël. Et nous sommes un milieu très, très physique. J'ai demandé à mes collaborateurs de secouer. Quand en décembre, le même jeune a voulu venir encore en stage, j'ai eu le sentiment que nous avons allumé une mèche. Aujourd'hui, c'est un cuisinier en Belgique, un cuisinier accompli, parce que ses parents ont compris que c'était sa voie et il a pu la faire. Mais en fait, je raconte ça pour dire que c'est possible. Mais ce qui est surtout possible, et ce qui rend tout possible, c'est le travail. J'ai envie de savoir, vous êtes passionné et consommé. Chez les pensionnaires, on va en retraite, mais est-ce qu'en termes de cuisine, il y a un moment donné où vous n'avez plus de force, que faire? J'aimerais durer aussi longtemps que Manu Dibango, vous voyez. Donc chez les artistes, Vous êtes un artiste, chef. On a des retraites que celles que l'on décrète soi-même d'avoir. Parce que même étant alité, on peut continuer à réaliser des créations culinaires. Ouais. Je crois d'abord que pour nous qui sommes là, il faut exister, il faut essayer de briller. Je n'ai plus rien à vous dire. C'est formidable que vous choisissiez de donner la lumière à ce que nous sommes, parce que ce n'est pas, il faut avouer que ce n'est pas naturel au Cameroun de s'intéresser à ce genre de métier. Quand l'on pensait, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est différent, que l'on pensait ou que l'on trouve a priori dévalorisant. Il me semble qu'on va se rendre compte désormais au Cameroun que on peut être un très bon balayeur de rue, gagner sa vie et être l'objet d'admiration. On peut être un bon cuisinier, on peut être un très bon cordonnier, mon Dieu, comme il en manque. On peut être un très bon plombier et gagner aisément sa vie. Je confirme mille fois ça. Les hamburgers, les shawarmas, Oui. J'aimerais venir faire les cours de cuisine parce que... Est-ce que vous approuvez? Vous avez goûté? Comment c'est? C'est excellent. Ah oui, hein? Et qu'est-ce qu'on fait alors? Vous aussi? Vous avez déjà mangé tout maintenant? Merci. Ah oui.
Merci. Comme je dis à tous mes collaborateurs Renault, vivement des gens qui reproduisent ça, parce que je passerai juste tendre la main pour ma contribution à l'invention. Là, c'est très bon show. Les amis, vous avez vu, c'est magnifique ce qui est réalisé par le chef ici au Cameroun. Et on espère que tout ça va être vraiment être porté et valorisé. On espère une académie de la cuisine quand même. Hein? Projet fou, pourquoi pas. Ah oui, ce serait génial. Écoutez-nous, entendez notre voix, entendez la voix de tous ceux qui adorent ce métier, entendez la voix de tous ceux qui consomment les produits du terroir et que cette académie soit quand même mise en place pour qu'on ne perde pas parce qu'il y a beaucoup de talent dans ce domaine. À condition qu'elle ne prenne pas le temps de l'académie du foot. Alors, le chef, il est magnifique, il est merveilleux. Il nous concocte de très délicieux, mais il n'est pas au-dessus de la... Loi. Et il va passer à la... Bah. Jingle. Si vous nous rejoignez seulement à l'instant, vous avez raté beaucoup de choses, les amis, et vous allez vous rattraper à la rediffusion. Et vous allez aussi aller sur le site internet www.mymarabou.com pour retrouver cette émission. Alors, chef, tu vas passer à la barre. J'explique juste rapidement le principe. Il y a des 5 questions qui seront posées. Il faudra choisir des numéros qui vont de 1 à 10. Et la question posée, vous aurez à répondre. Vous aurez à choisir un avocat dans le public, blablabla. Tout ça, c'est Mr. Vibes qui sait. Donc, on écoute les droits de l'invité, Mr. Vibes. Please. Vous n'avez pas le droit de garder le silence. De tout ce que vous direz pendant votre interrogatoire, rien ne pourra et ne sera retenu contre vous par les catapultiens. Vous avez droit à un avocat choisi parmi le public ici présent, auquel vous êtes obligé de faire appel au moins une fois. Si vous n'en choisissez pas un dans les 5 secondes, il vous en sera commis un d'office à vos risques et périls. La sentence finale sera prononcée par le public à la fin de votre interrogatoire. Vous serez alors soit catapulté, soit condamné. Comprenez-vous ces droits? Si oui, faites le geste que vous voulez et dites « je catapulte ». Je catapulte. Oui, le chef a accepté d'être catapulté, donc on vous donne 5 secondes pour choisir votre avocat dans le public. Le décompte, 5, 4, 3, 2, 1... 0. Un avocat commis d'office, un monsieur pour défendre, c'est possible. Alors, le temps que l'avocat qui a été commis d'office... Pourquoi on n'a pas droit au collège d'avocats? Non, le collège est fermé. Donc, allez, on prend une petite pause, tant que l'avocat soit habillé, on va dire. Allez. Bienvenue au culte. Tu veux être notre nouveau gagnant de ce splendide t-shirt Je catapulte? C'est très simple. Il te suffit de répondre correctement à la question suivante. Quel est le véritable nom de notre invité de ce soir? Envoyé au 81 93 KTP1 pour chef Femile Ngounou, KTP2 pour chef Emile Ngoulou ou encore KTP3 pour Thierry Goulou. Bravo aux précédents gagnants. Merci et à très bientôt. L'avocat a été commis d'office. C'est maître qui? Franck Evin. Franck Evin. D'accord. Chef, pourquoi vous n'avez pas choisi un avocat? Je suis une conscience tranquille, peu importe l'avocat. Dis donc. Quel chef ne connaît pas? En tout cas, premier numéro, chef. Hein? Vous est-il arrivé de mentir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oh, oui, à plusieurs reprises. Ah maintenant, ouais, maintenant, je ne sais même pas dire pourquoi, tellement souvent on a recours à ce stratagème, soit pour s'échapper d'une situation, ah ouais, soit pour ne pas en envenimer, ouais, soit pour protéger quelqu'un, surtout quand on l'aime. Ah, un exemple, surtout quand on l'aime là, c'est ça qui est intéressant. Quand on aime là, on peut mentir sur quoi? Quand on aime, on peut dire à son fils... Non, pas le fils, laissons le chef. Laissons le fils, prenons madame.
Mais non, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Objection. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi cet acharnement? Hey, maître. Oui? Objection, pourquoi bien, maître? Maître? Pourquoi cet acharnement? Objection, pourquoi maître? Pourquoi cet acharnement, chez madame? Ah bon, hein? Ok, d'accord. Votre client ne peut pas répondre à cette question, mais sauf que c'est le public qui décide. Qu'est-ce que le public décide? Objection? Donc, il faut répondre. Donc, chef, quand oui? vous voulez protéger madame parce que vous l'aimez, vous mentez sur quoi? Je n'aime pas que madame, votre honneur, j'aime aussi mes enfants et il peut arriver que je leur mente. Oui, et à madame particulièrement. Madame, votre honneur, j'écris à l'injustice dans le sens où quand madame a été interviewée, je n'étais pas là. Je crois fondamentalement juste que je dois me prononcer en oui. sa présence, votre honneur. Est-ce que chef, si madame vous appelle et que vous êtes en position d'absence irrégulière, vous lui dites, je suis avec des clients là, alors que vous n'êtes pas avec des clients, vous faites quoi ça? Vous la protégez quoi? L'exemple ne prouve rien, votre honneur. Après le 1? Ben, le 5. Si une cliente vous fait une déclaration d'amour en public, comment réagir? Pour répondre à la question, je dis que j'admets très bien que je puisse faire illusion parce qu'effectivement, en ne portant pas de bague. Et un homme, a priori célibataire, est fort bien plus intéressant que, je veux dire, un chef célibataire est fort bien plus intéressant qu'un chef marié. Chef, ne nous embrouillez pas. Chef. Votre honneur. Chef. Votre honneur. La question est tellement simple. Une jeune fille, qu'une fille vient me draguer, chef. Votre honneur. Voilà. Bonsoir, chérie. Vous voulez que je réponde sincèrement? Elle n'a pas encore fini. Chef, nous ne sommes pas là. Bonsoir, monsieur. Non, vas-y, ma fille, vas-y. Moi, c'est mademoiselle Léna Flor. Oui. Si je me suis avancée auprès de vous, c'est parce que franchement, j'ai trouvé que vous avez les yeux magnifiques. Si franchement épanouie, je rêve franchement d'être auprès de vous. Ah! Merci, ma fille. Voilà. Oui, chef. L'avocat sourit comme si c'était à lui qu'on a parlé. Le cas de figure que nous avons reste complètement virtuel. Non, nous sommes au restaurant, hein, chef. Nous sommes au restaurant. La preuve, c'est qu'on mange. Ok, alors oui. Si nous sommes au restaurant... Mm-hmm. Madame passait seulement, hein. Elle ne passait pas. Nous travaillons ensemble pour votre besoin. Ah, d'accord, ok. Nous travaillons ensemble. Bon, madame guettait seulement, alors. Et il n'y a pas de problème. Oui. Chère demoiselle, monsieur, je vous conseillerais de faire très attention au courroux de ma femme qui est juste à côté. Oui. Il y a la réplique. Oh, monsieur, effectivement, quand vous me le dites, homme de votre femme peut au moins avoir une relation au-delà de ça. On peut se voir n'importe où, mais un peu indiscret. Il faut en sorte que votre femme ne vous voit pas. Objection. Objection. Rejeté. Maître dit objection. La réponse, oui, chef. La réponse que je donnerais, oui, chef. Et je crois qu'il est très symptomatique des hommes, oui. C'est que au-delà de l'exercice, le cas de figure que nous évoquons prospérerait très peu. Mm-hmm. Nous, hommes, nous sommes des prédateurs. Oui. Et ne supportons jamais d'être prédatés. Ah, ça, chef... Passer... Ça, c'était avant, comme... Non, je suis désolé. Avant, aujourd'hui... Passer de querreur à proie, ça change tout. Et les sensations ne sont plus les mêmes. Oui, avec les androïdes et tout ça, on a l'impression que les rôles sont inversés parce que les femmes de plus, les jeunes filles de plus en plus, prennent les devants. Hein. Les androïdes... Les nanofilles. Oui. Les nanofilles. Oui. Ok, chef. Numéro suivant après le 1 et le 5. J'oubliais même mon numéro de prédilection, le 9. Le 9. Alors,
première rencontre, qu'est-ce que vous a attiré sur celle qui est votre épouse? Qu'est-ce qui m'a attiré sur elle? Oui. Ah, même madame veut savoir. Même madame. Ah oui. Non, elle va entendre ça à nouveau, hein, c'est ça. C'est en fait, je ne dirais même pas la générosité, c'est la beauté intérieure. C'est-à-dire, très rapidement, notre relation s'est construite sur l'intérieur et très peu, à la limite, sur le spirituel que sur le matériel et le physique. Chef, avant d'arriver à l'intérieur, l'extérieur d'abord. Parce que pour entrer, il faut ouvrir la porte. Non, mais justement. L'extérieur d'abord. Notre contact pose tout de suite le côté spirituel, oui. Avant même que l'on se regarde. Vous êtes vus, vous avez rencontré où la première fois? Ben, il se trouve, si vous voulez savoir, que nous trouvons membres d'une. Donc, rencontrer pour la première fois, en fait, pour nous, ça n'existait pas. Parce que pendant 2 ans, nous vivons dans une même association. Et nous sommes juste membres de l'association, mais pratiquement un peu comme des parfaits inconnus. Oui, mais dans l'association. Ce qui se passe donc, c'est que. Ils sont associés. Oui. Et ce qui se passe donc, c'est que il y a ce que j'appelle une interpellation spirituelle ou intérieure, oui. Qui fait qu'effectivement. On s'est regardé, on s'est vu. Au premier regard. Mais le regard a été comment? Vous étiez face à face ou bien? C'est ça. Non, parce que s'il faut voir un essai, il faudrait beaucoup de témoins. Il faut être dans les contextes. Non seulement ça, il faudrait beaucoup de témoins. Il faudrait beaucoup de témoins. Oui, c'est-à-dire. Nous sommes nombreux, non? Non, les membres de cette association, vous ne saurez pas jouer le rôle. Non, on peut. Non, je vous assure que. Je pense sincèrement que ce qui fait que nous soyons mariés aujourd'hui, oui. c'est que tout de suite, moi, je l'ai considéré de par l'aspect intérieur. Où j'ai décelé une générosité atypique et anormale, injustifiée. Et il me semble que si j'ai entendu quelques confidences, c'est par le côté spirituel aussi que je l'ai intéressé réellement. Ça veut dire en réalité que si on s'adresse aux jeunes filles par rapport à cela, il ne faut pas croire que la carapace là, elle compte vraiment. C'est l'intérieur en réalité qui fait votre beauté. Et ça n'a rien à voir avec la personnalité. Non. Donc, alors après le 9 chef, 1, 5, 9. Le 7. 7. Lorsque votre épouse est très fâchée après vous, comment faites-vous pour la ramener à de meilleurs sentiments? On vous envoie des SMS. Objection. Objection pourquoi maître? C'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Bon. Maître dit que c'est sa vie privée. Qu'est-ce que le public décide? Objection? Oui, chef. Le public, c'est bizarre. Hein. Très fâché après très, moi. Très, très fâché. Justement, je cherche la circonstance. Je vous ai dit que nous avons le privilège de nous situer au niveau du spirituel. Oui. Ça fait que l'un et l'autre, il me semble, hein, je parle sous son contrôle. L'un et l'autre, on a du mal à être vraiment et longtemps très fâchés l'un de l'autre. Mm-hmm. Nous avons un rituel conjugal qui est de prier ensemble tous les jours. Et ce rituel-là est très embêtant parce qu'il y a des moments où on veut se fâcher, du moment où on est fâché. Mais quand on arrive à pardonner nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et quand vous arrivez à la partie là, qui connaît la prière là? Quand on arrive à cette partie, ça s'estompe. Quelle prière? Donc, si on considère que vous priez 3 fois par jour, c'est un exemple. Non, le matin au démarrage de la journée. Donc les colères en principe 24 heures, hein. ne durent pas plus de 24 heures. Waouh, ça. On fait comment pour en arriver là? Parce qu'il y a des couples qui font des jours, des mois, des semaines, c'est des trucs. Mais ce que j'ai retenu, moi, de ma chère maman, ma tante, c'est qu'elle disait quand tu es en couple,
ne dors jamais avec des problèmes. Donc fais en sorte qu'avant de dormir, que les problèmes soient résolus. Parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller à côté de cette personne-là le lendemain. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Ça, c'est bien ça. Vraiment, madame, elle est rare. Hein? Vous trouvez les dames comme ça, là, c'est compliqué. Comment, pourquoi vous accrochez? Prochain numéro, numéro suivant, chef. Disons le 6, pourquoi pas. Quelle est la question que vous ne souhaiteriez pas qu'on vous pose sur ce sujet? Je suis désolé de dire que je ne sais pas. Et pour preuve, je n'ai pas eu besoin d'un avocat. Il n'y a pas une question que vous ne souhaitez pas qu'on vous pose. Quand il fallait en choisir, je n'ai pas choisi d'avocat parce que je vous ai dit que je suis une conscience tranquille. Donc vous voulez pas qu'on vous... je répondrai à toutes les questions, sauf celles qui engagent ma responsabilité par rapport aux gens que je protège. Et je ne les connais pas d'avance. C'est quand j'analyse rapidement une question que je peux choisir le joker ou non. Mais je n'ai pas une question particulière à laquelle je pense. Donc vous répondez à toutes les questions. Oui. C'est ça? D'accord. Chef, est-ce que vous pouvez retourner un peu votre fauteuil? Vous retournez en regardant madame. Chef, oui. Déclaration à madame. Tout ce que vous avez envie de lui dire. C'est quelle partie de l'émission? Je suis... C'est la partie ci. La rubrique s'appelle « Dites ce que vous avez à dire ». Voilà. Déclaration à madame. Ça va sortir normalement. Déclaration. Oui, chef, on vous écoute. Ne regardez pas. Écoutez, mais ne regardez pas. On ferme les yeux. Oui, chef. Faut fermer les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Non, en fait, hein. Oui, chef. En fait, je ne suis pas. Ce n'est même pas que je sois gêné. Le vrai truc est que je vais déjà vous dire que si nous nous trouvons là tous les deux, c'est sur ma demande. Oui, oui, chef. Allez. Et en fait, elle l'entend. Et en fait, c'est parce que au lieu. Peut-être, on nous a enregistrés à Yaoundé. Je pouvais très bien venir à l'émission, en principe seul, mais sans être seul. Chef, elle est là, allons-y, chef. Il est donc clair, partant des faits, que nous serions là ensemble, c'est que personne d'autre ne peut être là, à sa place. Oui, allez-y, chef, je vais immortaliser. Allez-y, dis, chef. Oui, dis, chef, parlez, allez-y. Mais chef. Je l'ai déjà fait. Non, allez-y, non, là, 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 chef. Vous, la caméra. Oui, chef. Je ne comprends pas. Regardez madame et dites-lui ce qui. Mais ça, je peux vous aider. Voyons, je demande. Vous voulez que je vous aide? Oui. Envoyez d'abord ma note. Allez, chef, dites seulement une parole. Je n'ai pas besoin d'être aidé et je continue à crier à l'injustice. Ouais. Parce que je n'ai jamais compris que Dominique me demande de m'écarter. C'est injuste, tout ça c'est injuste. Je suis d'accord que c'est injuste, ouais. Chef. Allez-y. Alors, oui, chef. Et alors, je ne veux pas me rendre objectivement complice de la perpétuation de l'injustice. Non, on est d'accord, chef. Mais dites quand même. Si on est d'accord, c'est fini. Oui, c'est fini, allez-y, chef. Oui, peut-être qu'il faut que... C'est même la table, c'est ce qui dérange. Allez-y, chef. Chef, allez-y. À faire quoi? Non, dites un mot. Oui, on veut juste entendre une parole. Voilà, un beau... Voilà. Ah, un mot doux, un mot d'amour. Oui, un mot doux. Un mot doux. L'idée. Ben, tiens, Mimi, tu es là parce que personne d'autre n'aurait pu être là. On n'a pas bien de Mimi. Tienne Mimi. Tienne Mimi. Oui. On reprend, alors, je ne vais pas bien entendu. Tienne Mimi. Est-ce qu'elle n'a pas bien entendu? Non, vraiment, elle n'est pas entendue. Bon, c'est vrai que... Je vous ai dit, vous dites, il faut lui dire. Voilà. Je lui dis, maintenant, on n'a pas bien entendu. Non, vas-y, allez-y, chef, allez-y. S'il vous plaît, laissez mon client. Maître, effectivement, ça tourne à la torture. On va laisser le client. Chef, on va laisser avocat, le client. On retient que chef a dit Tienne Mimi. Tu es la personne qui devait être là. C'est bien ça. La seule personne qui devait être là. Ok, d'accord. Donc, c'était la dernière. Donc, c'était ça. Alors, on va savoir si le chef
Émile Ngoulou va être catapulté ou pas, c'est le public qui décide, c'est juste après cette pause. Bienvenue au cul. Tu veux être notre nouveau gagnant de ce splendide t-shirt Je catapulte? C'est très simple. Il te suffit de répondre correctement à la question suivante. Quel est le véritable nom de notre invité de ce soir? Envoyez au 81 93 KTP1 pour chef Fémile Ngounou, KTP2 pour chef Émile Ngoulou ou encore KTP3 pour Thierry Goulou. Bravo au précédent gagnant. Merci et à très bientôt. Rejoignez la communauté Catapult sur la page Facebook de Catapult. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapult. On va donc savoir si le chef Émile Ngoulou va être catapulté ou pas. C'est à vous, public, d'en décider. Catapulté! Qu'est-ce qu'on a, chef? Une nouvelle démo? L'un ne vaut pas mieux que l'autre, on dirait. Qu'on a nos catapultés. Il s'agit de quoi, chef? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, je voudrais faire une petite démonstration, justement, de ce qu'on peut faire en très peu de temps. D'accord. D'un produit camerounais. Oui. Le cacao. Attendant, vous avez dit qu'il y a des artistes que vous aimiez bien. Manu Dibango, Richard Bonnard, oui. Erico avec Aïcha. Qui encore? On avait Nkodo Sitoni. Oui. Tous ces artistes-là, vous êtes fan? Vous allez souvent en discothèque et tout ça? Discothèque, non. Non. Malheureusement. D'accord. Je t'ai choisi dans mon cœur et tu le sais. Ndenge mon wa mon bueno bien la main. Tu sais pourtant que moi je t'aime. Ne le ressens-tu pas souvent lorsque mon regard se pose sur toi? Ate, Alain et Coca, monte en compresseur au Paris. Na santa nena, wende jingere ndoloe. Indola loke ni mende po. Alors moi je sais. Na wende jingere ndoloe. Ce grand amour qui viendra un jour. Te chercher. Ah oui. Te chercher, je suis là. Aïcha oh, je suis là pour toi. Te chercher. Oh oui. Te chercher, je suis là. Aïcha oh, je suis là pour toi. Merci d'avoir accepté de nous faire la surprise à, oh, à Chef Ngoulou qui adore cette chanson. Ça en est une moi, surprise. Moi, excusez-moi s'il vous plaît, je suis un fan de Chef Ngoulou. Uh-huh. Il ne savait pas, mais moi je suis un fan de lui. Voilà. J'adore, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a dit pendant l'émission, voilà. Voilà. Merci. Bravo. Merci. Bravo, merci beaucoup Enrico. Alors, les news? Les news, mon nouvel album, c'est pour peu de temps, donc je vais voyager pour aller le terminer. Avec Tete Gum toujours, voilà. Ah, génial. On te souhaite beaucoup de bonheur, merci. Que ce soit une bombe comme d'habitude. Oui, en fait, oui, chef. Erico, c'est plus qu'une émotion. Oui. Nous nous sommes rencontrés un peu comme ça, autour d'un plateau de télévision. Mm-hmm. Et c'était donc pratiquement à la reprise de, je veux dire, à la reprise de sa vie. Oui. Parce que je pense que tout le monde est édifié de ce qui lui est arrivé. L'éternel est merveilleux. Et ce qui est formidable, c'est de voir avec quelle vigueur il revient. Oui. Lui me donne l'impression que le malheur est un bonheur. Mm-hmm. Ah bon? Parce que ce qui lui est arrivé nous permet d'avoir quelqu'un d'extraordinaire. Je vous coupe pas, s'il vous plaît, maître. Oui. Je veux dire que moi, n'est-ce pas, oui, j'ai constaté une chose dans ma vie. Je suis, n'est-ce pas, un témoignage de l'éternel vivant sur cette terre, voilà. Je pense que je suis le témoignage de l'éternel vivant sur cette terre. Alors nous sommes deux. Par rapport à ce que j'ai vécu. Alors nous sommes deux. Erico, ouais. Erico
Elko qu'on a eu l'occasion de recevoir dans cette émission qui avait donné beaucoup d'émotions aux téléspectateurs. Ben écoute, on te souhaite bon vent et on est très heureux que tu aies accepté. Reste toujours aussi humble, mon ami. Là-dedans, tout de suite. Merci, mon chéri. Donc, on va voir, j'arrive pas à m'habituer. Merci d'être venu. Je n'arrive pas à m'habituer avec ça. Donc, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, pratiquement. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Et ce que vous devez retenir, c'est que même lorsqu'on a appris quelque chose, il ne faut pas se limiter à ce qu'on a appris. Il faut parfois faire un appel à son génie créatif, à essayer de pousser les limites un peu plus haut, un peu plus loin, pour avoir des résultats juste spectaculaires. Donc, je vous invite à prendre le meilleur de cette émission pour vous édifier dans la vie de tous les jours. Bien. Yes, Queen. I'm very excited. I'm very, you know, satisfied. I'm very moved, and I hope that you it's guys. It's normal with Spider-Man. I know I'm with Chef Angulutu in the house. I hope that you got the best from the show. And remember that Catapult is here to present you just the best. Whoever you meet here is an idol. It's a model. So get the best from them and get the example. Follow their footsteps. If you cannot, whatever you do, when you fall, rise up and keep moving. For tomorrow, to be continued. Oui, comme être nous a chef. Comme chef nous a appris ce soir, comme moi, lorsque l'on veut faire quelque chose, soit on le fait bien, soit on ne le fait pas. Parce que la richesse d'un homme se qualifie par le bien qu'il faut autour de nous. Ah, génial. Oui, la vie ne passe pas devant. Tout à l'heure, quand on a entamé l'émission, j'ai parlé de créativité. Tu sors d'où? L'émotion. J'ai parlé de créativité et on a en fait de voir. C'est canapé. On appelait ça canapé. Oui, c'est canapé. Canapé, oui. C'est canapé. Au coquille, au ondolet, au mets de pistache, au bâton. J'ai eu envie d'apprendre la cuisine subitement. Ouais. Et je suis tellement heureux ce soir parce que j'ai pu battre. Oui, quoi. Elles ont seulement l'habitude de me battre quand il faut danser. Maintenant, dans l'heure, là, quand il faut faire la cuisine, oui. J'ai été le meilleur et... Je croyais que vous faisiez équipe. Ah, j'ai une place, Maître. Une place. Bon, je vais juste dire, c'est bien ce que Maître fait. Et... Chef. Merci. C'est bien ce que Chef fait. Suivez-le et vous en prendrez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et comme Dominique l'a dit tout à l'heure, c'est d'en tirer le meilleur de cette émission. Oui, c'est d'en tirer le meilleur, vous apprendrez beaucoup de choses. Il faut continuer parce que... La vie, c'est pas devant. Oui, MG. Tu as accompagné Erico? Un peu. D'accord, oui. Seuls les courageux, les persévérants, lorsqu'ils tombent, se relèvent. Parce que la vie est parsemée d'embûches et de difficultés. Soyez persévérants, soyez... comme maître et... Chef! Soyez comme chef et... Merci, chef. Oh, on va dire merci à chef d'avoir accepté cette invitation et d'avoir surtout accepté de partager son expérience avec chacun de nous à la maison. Ils l'ont dit, on espère que vous tirez le meilleur de ce programme. Pendant que nous, on va terminer le chocolat ici, n'oubliez pas de retrouver l'émission sur www.mymarabou.com. Retrouvez-nous sur Facebook, sur la page Catapulte, sur Twitter Catapulte. Et vous savez très bien que cette émission est la vôtre et que sans vous, nous ne pouvons rien. On va donc se retrouver avec un autre invité la prochaine fois. Mais avant qu'on ne parte, on va au moins voir ce qui va sortir d'ici. Bon, bye bye à tous et à très très bientôt. Comme je l'ai dit en français, personne n'a réagi parce que tout le monde is...